Who's the fucking Matt? Who's the fucking Pill? Who's the fucking Matt? Who's the fucking Pill? Some of that real gangster shit, yeah, that shit coming from an original nigga. Yeah, that nigga is from the Compton streets. MCX in the motherfucking house. Shit. And right about now, how I bounce in the motherfucking house. That's dope. MCX, DJ Slick. My nigga's on the run. Oh shit, Lil Hawk and Bird. Just can't handle this. Born in the land of the scabs. 13 years of fame at the time. Moms ain't kicking in. I got to get my broken. I loads up my strap, map out my plane. Choose my victim, the motherfucker sticks. One more point that got scored for the hood. Up to no damn good. Understood. Stops is getting low, so I got to get some more. Close up the cake, break out the back door. You know the routine, so wrong fool, here we go. Same back channel, keep your motherfucking hands up on the dash. And gives up the cash. One time, it's making a move on my action. But I ain't sweating, because ain't shit fun. Take yours, yeah. Just call me the come up kid. Hard times kicking it in the CPT. So that means I gotta do what I gotta do. And if you ain't down with the hype, fuck you. You're coming up short when I slum it up. So when I hit your corner, you're gonna be a so I'm crazy as fuck. I should be laying low, cause one times is real high. Need to make a nod, so I rush your spot. And it's like that when I got the feeling. If you don't kill, somebody else does the killing. So when you hit the end of the road, ain't no turning back. I done signed the hood, lifetime contract. Yeah, jacket and pack. Cause ain't shit fun, because it's all for the money. I got to get mine, so I'ma take yours. I got to get mine, so I'ma take yours. Uh-oh, there goes another beat on the beeper. One time sleep on the fucking night. Stop on the sales. Full fake raids, but I still get paid. Just say no, fuck the TV. Tryna push the shit because the weight is exceed me for the blast. 5-0 fly in fast. Mad cause I'm making more cash than they ask for cash. I lay low in the cut. Label me the nigga with the gangsta strut. Every hoodie got gold license plates. My birds fly out throughout the fucking states. Now my other half is telling me I better quit. But I ain't doing this shit, so I guess this is it. I'll be dead before I go out like a dumb. Why's that shit? Because it's all for the money. So we putting it down, you know what I'm saying? Like I said before, you know what I'm saying? Coming for the real confidence. MCA DJ Slip, niggas on the run. Niggas Lil Hawk and Bird. All y'all shit.
Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'émission. Prenez place tranquille, on est parti pour le Late Night Show with Olivier B. On me parle de connexion qui bug, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche? On me parle de coupure, qu'est-ce qui se passe les gars? Moi j'ai le setup haut de gamme, j'ai tout qui fonctionne, pourquoi vous me parlez de coupure? Vous pouvez pas regarder de votre côté plutôt s'il n'y a pas un petit problème? Je comprends pas les gars, j'ai fait 30... C'est mon 100e live, 1000e live, 1 milliardième de live, il n'y a jamais eu de coupure. Pourquoi vous me parlez de coupure? Je comprends pas le concept, les gars. En tout cas, bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour l'émission. Ce soir, ça va être énorme, on va avoir des invités, on va avoir du buzz, on va avoir du clash. Et on va surtout avoir, messieurs, dames, un invité exceptionnel. Messieurs, dames, puisque oui, il est de retour. Il était parti, sûrement dans les montagnes. Ou peut-être ailleurs, on lui posera la question. On lui posera la question. Il est de retour, messieurs, dames. Je parle bien sûr de Joachim de la chaîne Padavam HD. Oh là 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 là. Mais vous me dites, vous devez vous dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous voyez quelqu'un qui ne ressemble pas à DG sur la chaîne de DG, qui parle d'invités, on ne comprend rien. Mais écoutez, messieurs, il va falloir faire avec. Je vous conseille de débrancher un peu. Enfin, débranchez pas trop parce que va falloir suivre, les gars. Installez-vous dans le confortablement devant votre écran. N'essayez pas de régler votre écran, ceci n'est pas un problème. Et essayez de suivre ce qui va se passer parce que vous allez passer une soirée exceptionnelle. Et moi, je suis hyper content de recevoir mon invité. C'est mon pote avant tout. Mais les gars, nous on s'est dit, c'est pas possible. Moi, j'étais là avec mon pote Joachim. Moi, je suis là, mais mec. Mais tu te rends compte à quel point tu fais des trucs de fou sur la chaîne, toutes ces émissions que tu as apportées, toutes les radios JDG, les questions du haut niveau, les analyses, même les gameplays. Et à chaque fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de représenter le chat, c'est-à-dire moi, et qui t'interviewe et qu'on aille au fond des choses. Donc, messieurs, dames, ce qui va se passer ce soir, on va recevoir notre invité, Joachim, en exclusivité, bien sûr. Et on va essayer de revenir petit à petit sur des sujets qui lui sont chers, des sujets qu'il a traités tout au long de sa carrière sur cette chaîne, des sujets qu'il a peut-être depuis en plus progressé sur certains domaines, on ne sait pas. Vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je vais me faire, le chat. Je vois, pour la première fois de ma vie, effectivement, il y a des drop frames. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Qu'est pas ça, les amis? Mais c'est pas grave. Et donc les gars, ça va être l'interview sans langue de bois. Alors attention, c'est pas une interview en mode people et tout. Qu'est-ce que t'as mangé au petit-déj? Est-ce que lui tu l'aimes bien? Est-ce que lui tu l'aimes pas? Non, non, c'est pas une interview comme ça. C'est une interview haut niveau. On va essayer d'être à la hauteur du travail qu'a produit Joachim toutes ces années. Et on va essayer d'aller au fond des choses. Et je vais pas lui laisser compter sur moi les gars. Je vais pas le laisser s'immiscer dans des explications tarabiscotées ou des choses qui sont pas très claires ou utilise un vocabulaire qu'on peut avoir des doutes. Je vais pas le laisser, les gars. On va lui rentrer dans l'art et il faut que ça soit carré. Mais les gars, avant, il faut que je vous fasse une petite intro, les gars. Mais Joachim, c'est quand même quelqu'un de particulier. On est d'accord. C'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un comme Joachim. Mais vous êtes là. Vous ouvrez un chat YouTube, vous avez un écran du menu de Metal Gear Solid 5. Et vous avez Joachim. Il peut parler. Vous êtes là. Il va commencer à parler de géopolitique. De géopolitique. Mais qui s'intéresse à la géopolitique dans le monde de tous les jours? Est-ce que vous allez lire Le Monde Diplomatique? Non. Mais lui, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est fluide. On comprend tout. Et on a envie de s'y intéresser. Mais qu'est-ce qui se passe? On se dit, ok, le mec, c'est un expert géopolitique. Mais non. Puisque deux jours après, il vient, ça commence à parler de psychologie. Ça parle de psychologie, ça parle de Freud, ça parle de Jung, ça parle de tous les complexes. C'est pareil, on se dit, mais c'est pas un sujet qu'on a envie de traiter. Mais quand on écoute Joachim, on a envie de le traiter, on comprend tout. Ouais, c'est quoi cette histoire de dingue? Et le mec, il débarque comment? Il vient nous parler de religion. Sur une chaîne de jeux vidéo. Mais normalement, tous les spectateurs descendent. Mais on n'a jamais fait autant d'auditeurs que quand il est là. Et qu'il nous parle de critiques, de René Guénon, de soufisme, etc. Les drop fame continuent, on est en train de perdre le live, mais c'est énorme les gars, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Donc voilà les gars, mais Joachim, en plus, ça c'est vous vous dites, en fait c'est un mec bizarre. C'est un rat de bibliothèque qui reste dans sa bibliothèque, qui travaille toute la journée,
et qui reste sur son écran. Mais moi, je le connais en vrai, les gars, Joachim. Mais c'est pas du tout ça. Le mec, il fait quasiment 2 mètres, ultra athlétique. On va le voir, comme ça, on se balade. Tout d'un coup, il s'arrête, il fait des pompes sur les poings, comme ça, il saigne des poings, il continue à faire des pompes. Il fait de la boxe, il fait que nous taper. Mais vous savez ce que c'est, Joachim? Joachim, c'est quelqu'un qu'on amène, qui prend la moindre activité qu'on est censé faire. Il faut forcément qu'elle soit transcendée. Voilà, on verra. On lui posera la question tout à l'heure si c'est normal d'avoir des transcendances comme ça. Il faut que ce soit transcendé. Je me rappelle, Joachim, vous allez avec des potes au KFC. Mais au KFC, vous allez, vous mangez votre poulet, vous rigolez, on prend des photos sur TikTok et on se barre. Mais non, mais quand on y va avec Joachim, on est là, tout le monde se baisse comme ça. Il y a une sorte d'ambiance comme si on préparait une rébellion dans un pays communiste. On se prépare comme ça et il nous parle. Il nous parle de dialectique, il nous fait la dialectique, il nous parle de transcendance. Il résout les problèmes des uns des autres et c'est comme ça tout le temps. Voilà, c'est comme ça tout le temps. C'est Joachim, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un d'unique, voilà. Et quelqu'un d'aussi particulier a besoin d'être interviewé. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Je vais arrêter un peu de le brosser en sens du poil. Et on va partir au clash. Donc on va l'appeler tout de suite. Est-ce qu'il est dispo? Alors je vais appeler. Hop là. Ça va être énorme. Alors dites-moi si la voix tout va bien. Est-ce que tout se passe bien? Ah, alors il est là, notre ami, notre invité. Oui, bonsoir Joachim, comment ça va? Bonsoir Olivier B, comment ça va et toi? Oui, ça va et toi, ça va? Ben, bienvenue dans l'émission, prends place. Voilà, je t'ai mis une petite place à côté de mon fauteuil devant moi. J'espère que tout va bien. Oui, j'ai dit comment ça va et toi, c'était une petite boutade pour commencer l'émission de bonne humeur. Ah mais attends, mais c'est parce que tu veux dire qu'en plus de ça, tu es un marrant. Effectivement, on est là pour rigoler aussi, mais on est aussi là pour produire énormément de sérieux. Moi, je t'ai juste à dire que tes petits mots m'ont touché beaucoup et ça me fait très plaisir d'être là dans ta première émission talk show. C'est un honneur d'être là et je te remercie de m'avoir invité. J'ai accepté avec grand plaisir de venir, voilà, c'est normal. Non, mais c'est gentil, il n'y a pas de souci. Ben, merci à toi surtout qu'on ait pu organiser ça. Et donc, si j'ai bien compris, ce soir, c'est interview, mais c'est vraiment en mode... on va revenir sur des concepts, c'est ça? Sur des sujets qui ont traversé la chaîne durant des mois et des années et on va essayer de les approfondir, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'en fait, tu m'as envoyé des choses, tu m'as envoyé des éléments, tu m'as dit voilà, moi je fais mon émission talk show, je la lance, je me suis dit mais c'est génial, ouais. Tu as du budget, surtout je sais que tu te lances dans une carrière moi, et si je peux ne serait-ce que contribuer à ça, c'est un grand honneur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut revenir, qui ont fait des polémiques par les détracteurs, etc. Et je pense que la disputation, comme on disait au Moyen-Âge, c'est une bonne chose, c'est produire de l'argumentaire, produire de la doctrine, l'affiner. Comme deux silex qu'on frotte les uns contre les autres pour produire une étincelle. Et c'est un plaisir d'être là, de pouvoir développer tout ça. Et le jeu, tu me l'as dit, tu m'as dit, on ne prépare pas les sujets. J'ai dit quand même, c'est des sujets, on ne peut pas aller de gauche à droite. Et tu as dit, si tu fais toujours ça dans les questions de haut niveau, j'ai dit, bah, effectivement, donc allons-y de gauche à droite. Si tu as des sujets, si tu as quoi que ce soit, c'est le moment, c'est l'interview. Et effectivement, j'ai bien compris, ce n'est pas des interviews personnelles, puisque tu sais bien que je ne réponds à aucune question personnelle, bien évidemment. Effectivement, bah écoute, du coup, on va revenir un peu sur tout ce qui est tous les concepts qui te tiennent cher. Voilà, je pense, moi, je suis un fidèle des émissions. D'ailleurs, je te remercie de tout ça. Et on va revenir un peu sur les concepts qui te sont chers. Mais avant tout, il y a une question qui taraude tout le monde. À chaque début d'émission, tu as toujours une petite dédicace, un petit message mystique à faire passer que personne ne comprend. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tu parles de mes messages mystérieux, etc. Mais figure-toi que j'en ai effectivement un aujourd'hui, parce que je savais que tu allais poser cette question, parce que c'est la seule question que tu m'as communiquée au préalable. C'est énorme. Ah bah écoute, bah vas-y, bah, passe ton message. Mais moi, j'ai envie de dire que dans le cantique des cantiques, parfois, il y a des choses qui produisent des fruits et des feuilles et des arbres, tu vois, qui s'ils peuvent symboliser des nouveaux départs, symbolisent particulièrement des choses qui étaient là avant même que nous ne soyons là au préalable. Très bien, bah écoute, merci, le message est passé. Du coup, bah c'est toujours aussi mystérieux, tes messages du début de live. Bah, faisons avec, qu'est-ce que je te dis, ça, on commence sur le chapeau de roue. Mais c'est quand même plus marrant, on est mystérieux. Finalement, les émissions, toi tu t'en fiches, puisqu'on se voit très souvent, on discute et on s'éclate, alors c'est génial. Bah, on s'éclate grave. Tu te rappelles la dernière fois comment on s'est éclaté? On s'est éclaté. Ah, c'est énorme.
Mais du coup, donc là, t'avais un peu, t'étais un peu en retrait des émissions, de tout ça. Tout va bien, et c'est quoi? T'es dans les montagnes comme la dernière fois, ou qu'est-ce qui se passe? T'es de retour, on sait pas. En fait, tu sais, pour moi, à chaque fois que je m'en vais, je dis je vais aux montagnes. Les montagnes, c'est une image. C'est l'image du début de Zarathustra. Tu sais où il est dans les montagnes. La montagne, c'est le reclus, mais pas le reclus des autres hommes. C'est le reclus qui doit se replier doctrinalement sur lui-même pour trouver une certaine inspiration, se remplir de doctrine, se remplir de connaissances. Et je dis toujours qu'une connaissance qui n'est pas partagée est une connaissance morte, qui n'a pas d'intérêt réel, sauf la connaissance vraiment, on va dire mystique, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, le but, c'est d'accumuler de la connaissance, de la digérer, de la comprendre et de la retranscrire. Et effectivement, donc il y a une petite coupure. Je dis pas que c'est un retour, ça dépend de l'emploi du temps, puisqu'à chaque fois que j'ai eu du temps, tu ne pourras pas me l'enlever, ça, Olivier. Oui, non Je mais c'est suis vrai, mais je te venu rêve pas, hein. partager. Et tu sais très bien que dans la vie privée, je partage de toute manière la connaissance. Tu as parlé effectivement de la moindre activité. Je pense que c'est le but de la vie quand même. Sinon, on n'est pas là pour grand-chose d'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et c'est un grand honneur, je le répète, d'être là. Donc, moi, je te propose, allons-y et puis voyons ce qui se passe. Moi, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé ce soir, entre guillemets, hein. Non mais allons-y quoi, non? Allons-y, le pass vaccinal. Si tu veux être, si tu veux commencer à être mangé par des sauces, moi je vais commencer directement, je vais te foncer dans le tas. Mais est-ce que on n'appellerait pas le Laurent Baffie de l'émission? Le Laurent Baffie, un peu l'électron libre. L'électron libre qui sera là pour te rentrer dans la. Moi je représente le peuple. Moi je représente le chat. Je vais prendre les messages importants. Je sais qu'il y en aura beaucoup. Je sais que moi je lis les commentaires sur la chaîne Padawan. Souvent tu as des commentaires qui reviennent sur des vieilles émissions et des gens qui te clashent, qui te contre-clashent. Et par contre, on aura ton. Donc moi, je serai le clasheur populaire, mais on a le clasheur intellectuel. Est-ce que tu es prêt à l'accepter sur le ring? Même si c'est le concept de l'émission, tu m'as dit il y a l'électron libre, moi j'accepte l'électron libre. Eh ben écoute, on va appeler l'électron libre. On l'appelle tout de suite. Allô, allô, monsieur électron libre, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Joachim. Bonsoir, Oui, Damien Steinman, bonsoir, électron Damien. libre. Wow! Oh! Eh oui, Belle c'est ça la surprise! révélation. Il est Les là! Ça salut va? lumière, je suis rentré. Comment allez-vous? Ça va Est-ce une super! bonne soirée Eh! jusqu'ici? Franchement, les Bien! 5 premières des minutes d'émission, c'était au top, hein, y a rien à dire. Ce top show là, oh là là. On est dans le talk show, mais bienvenue dans l'émission pour la première du talk show Olivier. Et on a des invités haut de gamme. Joachim X, Flavien S, c'est énorme, non? Est-ce que Flavien, t'es prêt? Tu te sens d'attaque pour être au niveau de ce qui va se passer ce soir? Pour moi, c'est oui, hein. Olivier, déjà merci pour l'invitation. Ouais, C'est toujours un plaisir d'être avec vous. ouais, ouais. Et on est samedi soir. Le samedi soir, on a soif. Et ce soir, j'avais soif de connaissances. Eh ben écoute, j'espère que tu vas être abreuvé. Ah, bien sûr. Mais si, et si la source ne me plaît pas, je n'hésiterai pas à dire qu'elle est empoisonnée. Oh, Oh, ça promet une violence extrême ce soir, hein. ça envoie direct. Bon ben, C'est restons une quoi. Alors télé on en va. direct, samedi soir en direct. Calmez-vous, les gars. On va essayer de rester dans l'amical, dans le bon enfant, mais surtout, on va essayer d'avancer ensemble. Puisque je rappelle quand même que le concept de l'émission, c'est qu'on se couche en ayant avancé. Voilà, quel que soit le chemin dans lequel on s'introduit, en ayant avancé un petit peu. Et à notre humble niveau, ce sera déjà pas mal. Vous en pensez quoi? Je suis totalement d'accord. Moi, je suis content qu'il y ait un peu de confrontation parce que malgré les apparences, je ne suis pas du tout un homme du monologue. Je suis un homme de la présentation, certes, de la présentation, on va dire, quel est le terme que je cherche, marginal, et aussi de la présentation, on va dire, vraiment unilatérale. Mais j'aime la confrontation quand elle est là. Donc, merci d'avoir amené l'électron libre de l'émission. J'espère que ce soir, il y aura du répondant et qu'il va me permettre d'affiner un petit peu mes développements si jamais il y en a, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Encore une fois, c'est vraiment une soirée, je trouve, qui est sous le signe de la folie et de l'imprévisibilité. On reconnaît bien Olivier B, qui est vraiment il faut le dire, c'est lui aussi un électron libre, plein d'énergie, plein de folie, et c'est pour ça qu'on s'amuse beaucoup. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi j'ai peur de rien, mais du coup on va commencer direct, je suis désolé, Moi tu m'as dit en préambule, Oki, c'est une émission. Oh, tu m'as pas dit Oki, c'est moi qui ai dit Oki. Tu m'as dit Non, Ok, j'ai pas dit OK. Non, t'as j'ai pas pas dit dit Oki, OK. t'as pas dit Oki. Tu m'as dit c'est une émission, on va se poser des questions, une sorte d'interview. Mais pas de questions personnelles. Mais moi j'ai décidé de commencer l'émission par une question personnelle. Parce que je suis la voix du chat et il y a un truc, on en a marre.
Joachim, ça fait des années que tu es là, ça fait des années qu'il y a des rumeurs sur toi, des choses qui se passent, que tu as un culte du secret qui va au-delà du vraisemblable, tu as des connaissances de certains milieux, de certaines personnes, de certaines sources qui normalement sont réservées à certaines personnes. Donc On lui maintenant, révèle la vie privée aussi, vas-y, dis, non, on mais on va résume pas ça. parler de la vie privée, mais quand même, Joachim, est-ce que t'es un franc-maçon? Est-ce que tu fais partie des Illuminati? Est-ce que t'es une sorte de société secrète à toi-même? Explique-nous, parce que il faut le dire à un moment, c'est le moment ou jamais. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il faut le dire. Attends, Eh oui. tu parles de franc-maçon, Illuminati, je comprends pas le rapport là. Mais arrête de faire la sourde d'oreille. À chaque fois, c'est pareil, on a l'impression que tu es dans des groupuscules un peu spéciaux, un peu bizarres, que tu peux rien dire, que tu as reçu des enseignements, etc. Alors dis-nous, d'où tu viens? Quels sont tes maîtres? Je ne sais pas, moi, à toi de me dire. Non mais tu sais, moi j'ai des maîtres, Oh. des gens comme Spinoza, comme Dante Alighieri, comme Malcolm X, qui pour moi est l'un des plus grands penseurs politiques du XXe siècle, comme Platon, comme Giordano Bruno, comme je vais mettre Kant dedans pour sa critique de la raison pratique. Et tout ça, tous ces gens sont mes maîtres, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, le culte du secret, de je ne sais quoi. À un moment donné, on est sur Internet. Comme disait Spinoza, l'individu meurt, le système demeure. Demeure. Je n'ai pas de secret. Moi, tu sais, tu m'as vu dans la vie, tu crois que je me cache de quoi que ce soit? Il n'y a pas de peur qui tienne, il n'y a pas de secret qui tienne. J'ai juste à cœur que mes émissions ne soient que pure dialectique, comme des livres audio, tout simplement. Voilà, franc-maçon, ce que tu veux, peu importe. On salue les maçons qui nous écoutent. Les Illuminati, je ne crois pas qu'il en reste des Illuminés de Bavière ou autres. Assimilés, et on salue quand même nos amis Rose-Croix qui ont dû se replier en Asie, et puis bien d'autres d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec transparence et honnêteté à l'auditoire qui se pose des questions. Et c'est normal de se poser des questions, mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Je sais pas si j'accepte cette réponse, ça tourne un peu autour du pot. On salue nos amis les Rose-Croix, nos amis les francs-maçons, mais c'est écoute, t'as peut-être En beaucoup Asie. d'amis. Il y a des maçons qui nous écoutent. Moi, j'ai des amis qui sont maçons, des vrais maçons au sens du chantier, des francs-maçons au sens des loges. Et c'est quelque chose. Après, là, j'ai fait. C'était pas vraiment une blague lorsque j'ai dit des maçons au sens du chantier, puisque tu sais que nos amis de la maçonnerie sont des artisans, finalement, de la vie. Et des maçons de la vie, ils construisent la pierre, ils construisent quelque chose, leur édifice spirituel. Et je trouve que c'est une démarche si. En toute transparence, personnellement, je ne pense pas que l'initiation maçonnique apporte grand-chose à qui est un tant soit peu sérieux ou qui veut aller un peu loin sur les sujets initiatiques ou tout du moins le domaine de la connaissance en général. Mais je salue la démarche, je salue la sincérité de certains maçons et je déplore le complotisme qui s'est greffé sur ces questions sous prétexte que ce sont des sociétés un peu discrètes. Je déplore qu'on leur C'est un a scandale, c'est un attribué beaucoup de scandale. problèmes. Oui? Oh! C'est une mascarade, c'est de la mystification. Derrière tes propos, Joachim, si tu me permets, on sent beaucoup de sympathie pour ces groupes de parole d'élite qui ont le culte du fantasme, le culte du secret, le culte du fantasme, mais on sait que le fantasme crée le désir. Donc je pense que tu sais très bien prendre en main ces fantasmes et les amener à un niveau évidemment beaucoup plus modeste pour en les faire tiens et créer. Et créer un petit peu du secret sur lequel. Tu vois, Olivier a été gentil, mais il t'a posé la question, c'est bien qu'il attendait une réponse. Moi, je n'ai pas eu cette réponse. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, tu es là, tu me dis que je fais du culte du secret comme les sociétés maçonniques, etc. Je tiens à dire que les sociétés maçonniques, à la base, ont dû. Là, je me fais le défenseur de la maçonnerie. C'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer ce soir. Ça commence sur les chapeaux rouges. J'ai l'impression d'être tombé dans un traquenard, mais je ne vais pas me défaire pour autant. Ah, c'est Olivier, Flagnaès, je hein. pense que. Voilà. Il est en roue libre. Non, mais il est enroué parce que c'est l'électron libre de l'émission. Il n'y Mais a oui. aucun problème là-dessus. À un moment donné, la maçonnerie se constitue tout d'abord en sous-marin de l'Église catholique, qui, si elle avait conscience un peu de ce qui était en train de se produire, n'aurait pas juste envoyé des lettres recommandées pour dire ça suffit les activités secrètes. Il y a eu des divergences doctrinales et théologiques qui frôlaient l'hérésie dans certaines loges. À la base, la maçonnerie est une pure création de l'Église, en tout cas de certaines branches de l'Église catholique.
à un moment donné où ça n'allait pas très bien, et du fait d'une certaine persécution, il a fallu devenir discret, voire secret. C'est ça l'histoire de la maçonnerie. Donc déjà, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne subis pas de persécution comme l'a fait la maçonnerie des origines. Je trouve qu'on est sur Internet, et je le redis, l'individu meurt, le système demeure. J'aimerais que mes émissions, j'aimerais que mes interventions ne soient que pure réalité systémique et dialectique. Il n'y a pas de culte du secret, il n'y a pas de fabrication d'un mystère ou je ne sais quoi, puisque à un moment donné, tu remarqueras que ça fait maintenant 7 ans que j'interviens ici avec une cohérence qui, je trouve, peut forcer un certain respect. Et malgré ça, je ne me suis jamais dévoilé, ce qui m'aurait bien facilité les choses de bien des manières pour mon propos, pour la portée du propos, pour ne serait-ce que pour la présentabilité du contenu. Je ne l'ai pas fait, c'est donc un handicap, puisque je n'existe que par la voix, et sur Internet, je te signale que ça n'est pas bon. Et pourtant, le succès est au rendez-vous, puisque la dialectique suffit à toucher les âmes. Le reste n'est que vanité, fioriture et futilité. Voilà. Merci pour cette réponse, Joachim. Voilà, c'est une réponse honnête, bien, je n'ai pas répondu à la question, c'est un art, c'est un art. C'est un art, cependant, oui. On va quand même rester, on va conclure, Flavien. C'est vrai que quand on regarde les émissions, on touche à plusieurs niveaux. Il y a des arguments, il y a des contre-arguments. On n'essaye pas de tout le temps de nous emboucaner dans une seule direction. Moi, pour connaître le gars Joe personnellement, je peux quand même dire qu'effectivement, c'est juste quelqu'un qui aime être discret. C'est quelqu'un de pudique. Et c'est quelqu'un qui veut que son travail soit reconnu avant sa personne. Voilà, tout simplement. Et Olivier, est-ce que tu me permets une question à Joachim concernant ça ? Je t'en prie, c'est le moment. Parce qu'on voit que Joachim, lui, il a montré patte blanche depuis 7 ans, comme il l'a dit. Il a été d'une transparence doctrinale totale. Totale. Mais tu vois bien que les groupes, par exemple, ces groupes de discussion d'élite, notamment les francs-maçons, on sait qu'ils existent. On sait assez qu'ils existent, mais pas assez pour ne pas empêcher un flot de conspiration et de fantasmes, notamment au niveau du peuple, du grand peuple, qui lui, y plaque énormément de choses. Pourquoi il n'y a pas plus de transparence à une époque, en 2022, où c'est beaucoup plus dangereux de laisser courir le fantasme que d'être franc sur sur ses activités? J'ai failli dire nos activités, j'ai failli me griller, pardon. Oui, on peut bien. Ouais. J'ai envie de te dire que, en vérité, ce sont aujourd'hui, factuellement, je parle de la mauvaise maçonnerie qui ne veut même plus prétendre à de la doctrine, d'accord ? Et à de l'initiation. Je ne suis pas quelqu'un qui défend même l'initiation de quelques sociétés secrètes que ce soit, ou sociétés discrètes. Cependant, ce qu'on peut dire de certaines loges qu'on ne va pas nommer, parce que je n'ai pas envie de froisser certaines personnes qui vont le prendre mal, alors que c'est des gens que je respecte au demeurant. Il existe certaines loges qui sont stricto sensu des réseaux de copinage pathétiques, où on discute plus volontiers de comment on s'arrange avec tel juge du tribunal de commerce, tel juge du tribunal de grande instance. C'est du réseautage de luxe. Oui, c'est du réseautage de luxe, comme il y en a d'autres. Il n'y a pas besoin d'être maçon pour faire du réseautage. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'il y a du réseautage dans certaines loges que la maçonnerie a l'apanage du réseautage. Il y a énormément de sociétés, au sens strict latin du terme, c'est-à-dire de groupements de personnes qui font du réseautage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on veut y greffer une petite patte initiatique avec un petit compas, une petite équerre pour faire des petits dessins sur des feuilles en tablier et rentrer dans des loges où il y a de l'eau ou que sais-je, eh ben allons-y, allons, pourquoi pas. Au moins, ça donne un petit folklore au réseautage. Et puis, on peut se dire qu'en plus du réseautage, on est en train de monter sur la connaissance et on façonne son esprit comme l'artisan façonnait la cathédrale. Très bien, ça reste de la pseudo-initiation, de la grande parodie. Et puis, les gens qui sont là-bas n'ont pas... Des loges dont je parle, hein, n'ont pas beaucoup de lumière à transmettre. Et en vérité, quand tu les écoutes parler, tu t'en rends vite compte. Devrais-je citer des noms? Non, je ne le ferai pas. On va froisser personne. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Et en tout cas, ça clash les sociétés secrètes, entre guillemets, modernes. Merci. J'en profite vraiment pour remercier Ludovic, mon Ludo, qui nous a donné 60 euros sur le chat. Ah, si on peut... À un moment donné. Qui ont été reversés par DG directement pour nous. Non mais on est là pour faire de la métaphysique, pas pour récolter du pognon. Mais oui, mais le pognon est là, le pognon tombe à flot. Moi je remercie, attends, c'est Ludo, je l'adore, c'est celui qui faisait les courses GT7 avec nous. C'est vrai que c'est ta profession maintenant, mais un peu de décence s'il te plaît.
Oh, excuse-moi, mais attends, mais moi, y a du pognon qui rentre. Je vais pas cracher dessus. C'est quoi cette histoire? C'est New York. Je comprends pas. On m'invite à l'interview métaphysique. Tu me parles d'argent, tu me parles de société secrète. C'est quoi le but de cette émission-là? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un but, c'est que oui, on va parler, nanana, la métaphysique, la transcendance. Mais la vérité, c'est que moi, je profite de mon setup et de l'audience que DG me donne pour profiter de te mettre sur le devant de la scène. Et vu que tu es quelqu'un de rare et apprécié, les gens donnent du pognon et ça finit dans ma poche. Voilà le vrai plan. Mais Mais ça, c'est prends l'argent, marketing. mon ami, prends l'argent, vas-y. C'est Ça marketing, me touche. ça se fait, ça se fait. Ça me fait plaisir ce que tu touches. Continue comme ça. Alors on va commencer un peu les questions. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Ça va vraiment parler métaphysique parce que c'est le titre du live. Moi, j'ai Quand même mon but, noté. excuse-moi, m'inviter pour ça à la base. Voilà, est-ce que on va pas commencer non plus à lever la voix. C'est que le début du live. T'es Non, gentil. non, mais je On a sais juste pas, fait tu une commences intro. déjà, voilà. C'est bon? On est bon? On est bon, on est bon. On Merci. va pas se disputer, l'autre jour ça a mal fini. Voilà, l'autre jour, ça a vraiment mal fini. Donc c'est pas. Moi, j'ai noté quelques points. Voilà, des concepts qui te tenaient à cœur. Que tu as plus ou moins tu as plus ou moins creusé le long de ta carrière sur Padawan, donc on va essayer de retourner dessus. C'est tes spécialités, mais là on a peut-être des nouvelles personnes, on a aussi des gens qui n'ont pas compris au fil du temps. Tu as peut-être toi aussi ton côté grandi entre-temps et approfondi certaines Tous les connaissances. jours, tous les jours. Donc tous les jours pour toi t'avances, c'est ça? Ah bah sinon on meurt. Ah bon? Mais attends, parce Ah que oui. il y a des gens, ils avancent pas, ils meurent pas. Si, c'est une petite mort chaque jour. Si on n'avance pas, on meurt, on stagne, et stagner, c'est mourir. L'absence de mouvement est une petite mort. D'accord. Mais moi, je meurs, moi. Si t'avances pas, oui. Si un jour dans ta vie, là, tu te réveilles le soir, tu dis que j'ai rien fait, j'ai pas avancé, t'es mort un peu. T'as perdu littéralement une occasion d'avancer par fainéantise, par flemmardise. Et je vais aller plus loin, je vais prendre un terme un peu savant, c'est l'acédie, c'est-à-dire la paresse spirituelle. Tu as cessé d'avancer et en cessant ta dynamique, tu deviens immobile et en étant immobile, tu meurs. Ok les gars, donc prenez pas ça personnellement. Mais ça me c'est bien, j'aime bien ce dont tu parles, parce que ça me fait penser à une de tes interventions, qui est pour moi une des plus cultes de tout Internet. Je parle bien sûr, il y a peut-être peu qui connaissent finalement, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux abonnés récemment, c'est évidemment la vidéo Message à Internet, qui il me Mais semble est celle-là, une trilogie, non? laquelle? Il y en a trois, oui. Voilà, Mais il y en c'est a une eu quatre. trilogie. En fait, il y en a une qui a sauté. On n'a pas parlé de celle-là. Je parle bien sûr de la première, Message à Internet pur, en featuring avec DG, qui essaye. Alors je vous On conseille tout, embrasse, hein. si vous n'avez pas vu, bien sûr on embrasse DG qui est dans le chat. Si vous n'avez pas vu Message à Internet, vous cliquez Padawan Message à Internet. Voilà, ça va. Il va se passer quelque chose dans votre cerveau, c'est impossible que ça traverse sans qu'il se passe rien. Et du coup, tu as ce concept, son concept de modernité et d'homo novus. Alors, dans Message Internet 1, non, ça c'est dans le 3. Et mes messages à Internet triptyque, on va dire. Ah, tu parles de la trilogie, excuse-moi, excuse-moi. Oui, mais quand même, à tous tes lives, ça revient. C'est même devenu une insulte dans tes lives. Homo novus, homo novus, la modernité, la crise du sens, etc. Mais je veux dire, la modernité, la modernité. C'est quoi la critique de la modernité? Parce qu'on est tous dedans. T'es moderne. Tu joues à la PlayStation 5 avec moi? Ta question, elle est très très large. Là, tu me demandes de redéfinir le concept d'homo novus que je me suis approprié. Tu me demandes quel est le degré de ma critique de la modernité. Et là, tu es en train de me dire, tu peux pas critiquer la modernité si tu joues à la PlayStation 5? N'es-tu pas trop dur avec la modernité? Est-ce que tu Alors, te la juste joues pas sur le un peu? concept. Ah, homo novus. L'homo novus. On est au 16e siècle. Bon, on est au 15e siècle, je sais plus. On a Giordano Bruno, qui est à la Sorbonne, à Paris. Tu as déjà été, Olivier, tu as étudié là-bas d'ailleurs. Très bel établissement. Et Flavien, tu connais aussi la Sorbonne, je suppose. Parfaitement, oui. Et bien sûr, puisque tu es parisien et tu as sans doute Il étudié a fait les là-bas. grèves des lois anti-Macron là-bas. Je n'ai aucune idée de ça, mais Giordano Bruno, qui sort de 5 siècles de scolastique très 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 dur, qu'on appellera a posteriori obscurantiste, et bien à tort d'ailleurs, absurde comme terme, absurde.
comme si saint Thomas d'Aquin n'était pas l'un des pères du rationalisme moderne et donc de la science moderne qui va avec. Et je le dis haut et fort ici, quelle absurdité des Lumières, autoproclamées Lumières, d'avoir prétendu que le Moyen-Âge était obscur. Excusez-moi, vous mettez toute l'œuvre de Voltaire contre une page de la Summa Theologiae de saint Thomas d'Aquin, je crois que ça ne fait pas le figure. Peu importe. Giordano Bruno vient et dit « L'homo novus, c'est celui qui, issu de ce monde scolastique, va le dépasser et va pouvoir pratiquer la libre recherche philosophique et ne plus être soumis à quelque chose qui était un gros mot pour Giordano Bruno, au dogme. Le dogme, je le rappelle, c'est une exotérisation d'un enseignement qui, normalement, était soit ésotérique, soit extrêmement complexe, qu'on synthétise sous la forme d'une phrase, d'un vocable, qui devient une condition de la foi. Exemple typique du dogme catholique, la Trinité. Le Père est égal au Fils, qui est égal au Saint-Esprit, qui est égal au Père, les trois hypostases. C'est un dogme, autrement dit, c'est quelque chose qu'on ne questionne pas. C'est limite un synonyme d'un axiome en raisonnement géométrique euclidienne. C'est l'idée que le dogme est un point de départ. On ne le questionne pas comme point de départ. On peut travailler dessus, on peut l'éclairer, mais on ne le questionne pas. C'est un dogme. Et le dogme. Et c'est... Oui, pardon, Olivier. Bah, il me semble qu'un des principes du dogme aussi, c'est d'être valable, enfin d'être compréhensible pour le moindre paysan, quoi. On n'a pas à réfléchir dessus, quoi. Exactement. Je vois que tu es un bon guénonien, toi, je sais que tu as beaucoup de guénons dans ta bibliothèque. Effectivement, le dogme est une exotérisation, l'antithèse de l'ésotérisme, du coup. Une exotérisation, c'est qu'on donne un sens tout à fait perceptible et limpide, même pour le quidam. C'est le principe du dogme. Et même s'il n'est pas compris, on peut répéter le dogme, on le comprend juste en le répétant. Et le problème du dogme, c'est que c'est une simplification par définition, qui doit diluer la qualité de l'enseignement doctrinal réel et donc donner quelque chose de parfois un peu simpliste. Mais ensuite, c'est un équilibre à trouver avec les gens qui produisent le dogme ou qui prétendent le découvrir, puisque le dogme est censé être révélé. Et l'idée, c'est que Giordano Bruno se ramène au début, à la fin, peu importe, si vous datez tout ça comme vous voulez, il est au début vraiment de la Renaissance, il se ramène et il dit... L'homo novus, c'est celui qui va transcender le dogme, ne plus s'en contenter, et qui va fonder son existence intellectuelle et doctrinale, du coup, sur la libre recherche philosophique. C'est-à-dire que le dogme n'est plus la base de la connaissance. Ah, on sort du cadre, c'est ça ? On sort totalement du cadre, et c'est la grande ouverture. Alors, l'époque de Giordano, c'est tellement excitant. C'est l'homo novus. C'est l'homme qui va sortir du dogme, du dogmatisme moyenâgeux et dont le postulat ne sera plus le dogme. Et tout est à refaire. Donc tu pars de Giordano Bruno, tu arrives à René Descartes avec le discours de la méthode, où là il faut retourner aux origines des origines. Qu'est-ce qu'on sait? Rien. Rien du tout. Donc on repart à la base, discours de la méthode. Qu'est-ce que je sais? Pas grand-chose. Cogito ergo sum, je sais que je pense. Et si je sais que je pense, c'est que je suis... Et donc, c'est mon point de départ. Ce qu'on oublie très souvent sur l'œuvre de Descartes, c'est qu'avant, je pense, donc je suis, il y a Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un présupposé de base qui n'est même pas dogmatique, qui est une vérité de base, fondamentale, limite axiomatique pour Descartes. Mais vu qu'on ne peut pas y accéder par le raisonnement, il faut retourner à la base des bases du raisonnement. Et la base des bases du raisonnement, c'est le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Donc, tu pars de Giordano Bruno qui dit, en fait, il faut repartir à zéro et l'homo novus, c'est la libre recherche philosophique. Ensuite, tu arrives à René Descartes qui dit, OK, on recommence tout à zéro. On part parce que Giordano Bruno n'est pas qu'un philosophe, il faudrait quand même pas oublier de le dire, c'est un mystique bizarre, c'est une espèce de sorcier bizarre, c'est un moine, c'est un initié, probablement d'assez haut niveau, Giordano Bruno. Je vous invite tous à lire le traité des liens magnifique, le traité de la magie magnifique et le banquet des cendres, et tous ces discours philosophiques et ces dialogues philosophiques. On n'a pas toute l'œuvre de Giordano Bruno, puisqu'il y en a beaucoup qui a été brûlé par l'Église. Je rappelle qu'il s'est fait brûler vif, comme pour des Fiori à Rome. Vous pouvez aller voir la magnifique statue qui a été financée d'ailleurs par une loge maçonnique, puisque les maçons aiment bien taper sur l'Église et mettre en avant les gens que l'Église a brûlés en disant « l'Église, c'est pas bien ce que vous faites », peu importe, peu importe et peu importe. On passe à René Descartes, puis ensuite tout est à refaire au niveau de la métaphysique, puisqu'en fait le rationalisme doit repartir de rien et donc tout reconstruire. Là où jadis on avait le dogme, c'est quoi le dogme? Je viens de vous le définir, mais à la base des bases de dogme, en fait, dans la tête d'un penseur du Moyen-Âge ou d'un religieux tout court, c'est Dieu lui-même qui vient et qui dit « voilà, vous pouvez avoir ça comme base de réflexion ».
Le religieux, il a la Bible et il interprète la Bible. Et de cette Bible, il peut faire émerger des dogmes. Et sauf que le métaphysicien, l'homo novus brunien, il a plus de dogme, il a plus de point de départ, donc il doit repartir de zéro. Je vous ai parlé de Descartes, et ensuite on aboutit à des systèmes métaphysiques fascinants et merveilleux. Et au final, on arrive à la déconstruction du genre. Au final, on arrive aux anges de la télé-réalité. Mais du coup, ça veut dire que c'était, il fallait pas. C'est raté alors. Il s'est trompé, Giorgio Bruno alors. Non, mais c'est ça en fait la question fondamentale. Mmh. C'est pour ça que je prends le concept d'homo novus de Giordano Bruno. Et que je critique extrêmement. Oui, Flavien, dis-moi. Ce que tu veux dire, c'est que s'il n'y a pas de dogme, s'il n'y a pas de base, alors il ne peut pas y avoir de recherche personnelle et scientifique et morale et métaphysique. Et il est taquin, l'électron libre, Olivier. Là, il est là pour ça, il est payé pour ça, donc il a intérêt. Hein. Non, mais t'as pris un électron libre intellectuel. Flavien, tu court-circuites mon raisonnement, je vais devoir le terminer d'abord. Parce que, excuse-moi. Non, mais là, tu poses une question qui va très loin. Et tout de suite, j'apprécie ta vivacité d'esprit, puisqu'en fait, tu me poses la question. Tu dis, Joachim, du coup, pour toi, sans vérité révélée, tout fout le camp. C'est bien ça. Voilà, tu l'as encore plus synthétisé, parce que je pense que tu es le maître de la synthèse. Eh ben, j'aime beaucoup la synthèse, c'est vrai, mais effectivement, c'est la question des questions. Mais avant d'arriver à cette réponse-là, il faut d'abord que je fasse le raisonnement, parce que là j'ai dit une petite blague, les anges de la terre, je ne sais même plus si ça existe encore cette émission, j'en sais rien. Les Marseillais contre le monde. Pardon Olivier ? Les Marseillais contre le monde, non aujourd'hui c'est les 50, il y a... bon c'est les 50, voilà. Les 50. C'est Avengers version toutes les émissions voilà, de télé-réalité. Ouais, c'est ça. On en est là, et ben, on salue la télé-réalité et les gens qui font tout ça. Et du coup l'histoire c'est qu'on aboutit après ça, à partir du zéro, à la pure construction métaphysique. Peut-être, on dit toujours, il faut définir les termes tout de même, la métaphysique, on parle d'Aristote, il y avait la physique, il y a la métaphysique, c'est ce qui vient après la physique. La physique, c'est l'étude des lois de l'univers, des forces, etc. La métaphysique, c'est plus la question du pourquoi et qui touche à ce qu'il y a au-delà de la matière elle-même, au-delà de l'existence elle-même. C'est la question du pourquoi. Je dirais que la physique est la question du comment. La métaphysique est la question du pourquoi. On n'est pas dans le domaine scientifique, on est dans le domaine purement philosophique. Métaphysique, c'est ce qu'il y a après, ou du coup in extenso, au-dessus de la physique. Et on aboutit au 17e, au 18e, à des systèmes métaphysiques d'extrêmement haut niveau et d'une extrême complexité, avec une précision d'orfèvre et d'horloger. Ça donne les grands penseurs rationalistes de l'humanité. Je dirais Leibniz, bien évidemment. Vous lisez les monadologies, la monadologie, avec son système de monades. Vous lisez Spinoza, magnifique, je ne le citerai jamais assez, il y a une émission dédiée sur lui avec l'éthique. Vous avez Kant, critique de la raison pure, où il produit aussi une forme systémique. Vous avez Schopenhauer, vous avez tous ces gens. Et ensuite, il y a une petite désillusion et un côté un peu désabusé avec les penseurs un peu plus modernes comme Nietzsche, qui eux vont dire, bon ok, ça nous a amené où tout ça? Bah nulle part, en fait plus rien n'a de sens, je suis Napoléon, bref. Et du coup, c'est une petite pique personnelle, j'aime beaucoup le génie poétique de Nietzsche, mais... Et du coup, on arrive à ça, c'est-à-dire que si tu enlèves la vérité révélée, qu'on peut nier ou accepter, peu importe, la question n'est pas encore là, on arrive à la construction métaphysique pure, qui en fait, de manière assez intéressante, aboutit aux mêmes conclusions par un autre moyen que la vérité révélée. Et là, ça pose des questions infiniment plus profondes. C'est est-ce que, je sors du cadre religieux, mais peu importe, est-ce que la vérité révélée n'était pas en fait un système métaphysique qui a été retranscrit par symbole et ensuite réadapté en dogme, simplifié et exotérisé? C'est un peu la thèse guénonienne. Ou est-ce que la vérité révélée, en fait, est juste une simplification qui tombe directement d'en haut pour révéler quelque chose auquel les métaphysiciens ont abouti? Ou alors, question un peu plus philologique et pour ne pas dire agressive, est-ce que les métaphysiciens n'ont pas juste rationalisé des fois qu'ils avaient reçues par leur civilisation? Puisqu'en fait, tu lis Spinoza, la critique que fait Leibniz de Spinoza, c'est de dire c'est un juif. En fait, il nous fait le Zohar.
je sais que c'est violent ce que je dis, mais il dit, il nous fait le Zohar en fait, il nous fait un système monde avec une unicité suprême, et le mec, il nous fait du Maïmonide, il nous fait le Zohar, il nous fait de la Kabbale, de la Kabbalah. Et c'est une critique qu'on peut entendre, mais je n'y souscris absolument pas. Pour moi, qui suis un tenant de l'existence d'une vérité avec un grand V, je pense que la métaphysique et l'étude rationnelle de l'existence et de ce qu'il y a au-delà de l'existence permet d'aboutir un peu à ce que permet d'aboutir, à ce à quoi te permet d'aboutir la vérité révélée. Et en fait, effectivement, lorsque tu pars du principe métaphysique suprême, qui est la cause des causes, en fait, toutes les métaphysiques se rejoignent à peu près sur ce sujet, on y vient toujours, c'est en fait par le raisonnement métaphysique, tu aboutis à l'idée qu'il y a quelque chose qui a permis le commencement de toute chose. C'est Leibniz, c'est Spinoza, et je vais envie de dire dans une forme plus vulgaire, c'est Albert Einstein. Si vous voulez, je crois au Dieu de Spinoza, etc. Et cette idée fascinante, c'est qu'en fait, lorsque tu fais coïncider un texte comme... Après, oui, vous allez me dire, Spinoza est un juif, donc il fait du judaïsme rationalisé. Bon, il a quand même été excommunié. Je crois que c'était l'oncle de Mendelssohn, le compositeur. Il y avait Moïse Mendelssohn, qui est le compositeur, qui d'ailleurs a fait redécouvrir les passions de Bach. Et il y a son oncle ou son grand-père, qui était Félix Mendelssohn, qui a dit que Spinoza était un chien crevé. C'était un juif, hein, les Mendelssohn. C'est pour ça qu'Hitler, d'ailleurs, je crois, ne les fera plus jouer, comme Gustav Mahler, puisque c'est un antisémite, et pour lui, la musique juive n'avait pas de valeur. Mendelssohn est un grand musicien. Et le truc, c'est que lorsque le grand-père de Mendelssohn dit que Spinoza est un chien crevé, c'est parce que pour lui, il a fait beaucoup de mal au judaïsme, Spinoza, avec son éthique et aussi son traité théologico-politique, où, je vous rappelle, il reconnaît à demi-mot le Christ dedans. Là, je pars un petit peu dans une autre direction, mais peu importe. Là où Joachim, je viens, du coup... Que... Oui, dis-moi. Ah, excuse-moi. Est-ce que je peux te poser une question, ou est-ce qu'il y a encore une précision qui pourra te dire ce que je pourrais te poser comme question? Il y a une précision qui doit venir. D'accord. Alors, je te laisse après... donner la précision, mais souviens-toi de ma question. Je finis juste ce raisonnement parce qu'il est important, c'est que l'homo novus, du coup, repart de zéro, et là, on arrive à Spinoza et Leibniz et toute la clé que je viens de citer en expliquant un petit peu le système. Et en fait... Avec le recul historique et philosophique qui est le mien aujourd'hui, j'émets l'hypothèse suivante. C'est que le grand rationalisme a pu exister parce qu'il était dans le sillage de la grande théologie, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane, parce qu'on a de très grands penseurs musulmans, Ibn Arabi, Al-Farabi, Averroès, Avicenne. Je vais mettre Al-Razali dans le lot, même si c'est un mystique, parce que, tout soufi soit-il, c'est un grand formé en philosophie à la base, avec ses revivifications des sciences de la religion. Et le truc, c'est qu'il y a eu ce sillage, il y a eu cette lumière qui vient de la vérité révélée, qui est par définition transcendantale, qui illumine et qui permet la création de la civilisation. Il y a cette civilisation qui se lasse d'elle-même, qui tombe dans un sillage, qui veut tout revoir à zéro, mais qui bénéficie du sillage précédent. Ça donne un âge d'or philosophique rationaliste, mais qui en fait ne produit pas grand-chose de civilisationnel. Et il y a le sillage de ce sillage qui est la modernité. Et qui donc, on passe de l'homo novus brunien qui, libéré du dogme, se met à produire l'éthique de Spinoza, et on arrive à l'homme moderne qui est l'homo novus, qui est un homme dans le désert qui marche, qui est désespérément en quête d'une oasis pour boire, et qui, dès qu'il trouve une oasis, soit se gave d'eau jusqu'à explosion de son estomac, mais il ne sait pas pourquoi, soit va d'oasis en oasis avec un perpétuel goût de paille, en se demandant ce qu'il fait ici. Et il a une crise du sens perpétuelle, et il ne sait pas ce qu'il fait, où il va, d'où il vient, pourquoi et comment, et il a même renoncé à le savoir. Ce qui fait que toute sa vie n'a plus aucun sens, et que tout, au final, a un goût de paille, si ce n'est la jouissance directe, qui l'amène vers sa propre mort, puisqu'il investit dans sa propre finitude. Donc de l'homo novus brunien plein de promesses, on arrive au résultat réel 5 siècles plus tard de l'homo novus, qui est en fait un homme qui n'a plus de sens. Voilà ce que j'appelle l'homo novus. Flavien, tu avais une question profonde. Alors, ma question, je vais essayer d'être le plus terre-à-terre possible. D'après ce que tu
vient de nous expliquer, on en revient un petit peu à la tradition primordiale qui a été évoquée tout à l'heure. Pour vulgariser, tu me dis si je me trompe, les textes révélés, parce que je pense que tu penses principalement aux religions abrahamiques, détiendraient une interprétation symbolique ou autre de la vérité. La vérité, une vérité en tout cas, celle qui est à la base de tout. Comment, à partir du moment où il y a plusieurs dogmes, et donc plusieurs interprétations, et donc plusieurs manières de ramener ça à l'être humain de manière dogmatique, comment faire confiance à l'un de ces dogmes ? Ce sera forcément un savoir dispersé. Donc après, ce que je comprends dans ce que tu viens d'expliquer, c'est que l'homo novus, la forme finale, celle, la forme filale de l'homo novus, a tellement plus de bases, tellement plus de dogmes, qu'au final, c'est tellement dispersé qu'il n'y a plus rien, il n'y a même plus un seul bout de vérité, plus un seul bout du puzzle. Mais pourquoi ? Est-ce que, en fait, ta définition des religions, des grandes religions monothéistes, ne serait pas un peu un moindre mal pour aller vers une bonne direction, mais ne serait pas une solution en soi, parce que dogmatique ? C'est une question qui est fascinante, puisqu'elle m'oblige à me révéler doctrinalement. Mais c'est le jeu ce soir. Ça tombe bien, c'est exactement le concept de l'interview. Ouais, c'est quand même rare des interviews qui poussent les invités à se révéler doctrinalement. Ah, c'est... Ça demande de la rigueur intellectuelle, ton émission. C'est Flavien S. Hein. Flavien S, il a peur de rien. Il pousse les gens en retranchement dès la première question. Hein. Ah, mais c'est magnifique. Moi, Flavien Steinmann, je le respecte énormément. Je trouve qu'il représente le génie ashkénaze d'une manière extrêmement brillante et que Jacques Attali n'a qu'à bien se tenir. J'honore mes ancêtres, merci beaucoup. Bien sûr, et si je pouvais, je parlerais yiddish, mais je ne parle pas un mot de yiddish. Donc, voilà. Ce que je peux te répondre, c'est que moi, je ne suis pas guénonien. J'ai fait deux émissions sur René Guénon qui ont sauté comme des bombes, parce que j'estime avoir fait ce que j'avais à faire sur ces émissions. J'ai transmis ce qu'il y avait à transmettre. Il y en avait une sur autorité spirituelle et pouvoir temporel, l'autre sur le règne de la quantité et les signes des temps. Et je ne suis pas guénonien, toutefois, je suis désolé, mais quand je lis René Guénon, et que je lis par exemple, je crois que le nom de l'ouvrage est Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, il y a des choses effectivement auxquelles je peux souscrire, et parmi ces choses, chez René Guénon, il y a premièrement sa critique radicale, méthodique et extrêmement lumineuse de la modernité, et deuxièmement son étude des mécanismes de pourquoi la modernité est une dégringolade. Je parle de la modernité au sens vraiment philosophique du terme en tant que concept qui est le, finalement le règne de la quantité. Je ne pourrais pas le résumer autrement, mais vraiment au sens métaphysique. Et au règne de la quantité, du coup, il faut ajouter l'exemple suivant, c'est que la thèse guénonienne est qu'à la base des bases, il y a une qualité qui se dilue en quantité. Et le dogme est déjà une quantification quantitative de la qualité. C'est-à-dire que pour Guénon, je vais essayer du coup d'esquiver, d'exprimer ma doctrine personnelle, pour Guénon, il y a la qualité qui va se révéler d'une manière ou d'une autre en ce que l'humanité va comprendre le principe de là où elle vient. Et cette qualité, au fur et à mesure des âges de l'humanité, va se diluer dans la connaissance. Et là où le symbole avant était un symbole au sens où il pouvait permettre une grande connaissance à partir de peu de mots, le symbole va être de plus en plus pris littéralement par les générations, et ça va donner l'exemple typique qu'on peut citer, c'est la légende arthurienne. Là où l'histoire du Saint Graal et la légende arthurienne étaient bourrées de symboles profonds et compris jadis, ça donne Kaamelott, où on rigole, où il faut chasser le Saint Graal, et puis le Saint Graal, c'est une coupe. On pourrait rire sur les Monty Python, etc. Mais en fait, il y a une dilution de la connaissance qui fait que le symbole qui avant était porteur d'un enseignement que tout le monde pouvait recevoir, enfin tout le monde, les initiés pouvaient recevoir, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'initiés pour les recevoir, ça devient quelque chose de littéral. Et ça donne aussi quelque chose d'assez simple, c'est l'alchimie. Là où l'alchimie était le chantre et la chambre absolue du symbolisme, c'est devenu le reportage France 3 des années 90, où il y a un mec qui était, je crois, l'amant de Dalida, qui explique qu'il fait de l'or avec une pierre philosophale.
Et c'est ça, en fait, la dilution quantitative, c'est que tu passes de la vraie connaissance qui est comprise dans le symbole pour que le secret, non pas au sens de qu'il soit tenu secret pour que les gens ne le connaissent pas, mais secret parce qu'il n'est pas accessible, donc il faut une initiation pour le recevoir, le secret se dilue tellement que le symbole devient la connaissance elle-même. Et du coup, ça devient un conte pour enfants. Tu vois, la pierre qui transforme du plomb en or, ça devient un truc délirant. Ça devient un truc joli, et on sent en tant qu'humanité qu'il y a un truc derrière tout ça. Ouais, On sent je qu'il y a... vois ce que tu veux dire, comme le mec qui transforme, enfin qui multiplie les pains ou des choses comme ça, quoi. Des trucs où tu sais qu'il y a une image qui est forte et qu'elle te parle au fond de toi-même, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ce serait extrêmement compliqué d'en être témoin pour rester Alors poli. oui, mais non, puisque la multiplication des pains, du coup, est un miracle au sens théologique, et là, pour le coup, il faut y souscrire littéralement. C'est encore un autre domaine. Et tu as utilisé le terme il faut y souscrire. Dogme. Bien sûr. Eh oui, on y Dogme. revient du coup. C'est-à-dire que tu peux extirper quelque chose de symbolique de certains miracles, mais le sens du miracle lui-même, c'est son littéralisme en théologie. C'est-à-dire que c'est très faible. En fait, tu étudies les religions abrahamiques, le miracle est une compensation de la faiblesse humaine. T'es pas censé avoir un mec qui marche sur l'eau pour croire à la base. C'est pour la faiblesse humaine. Et le truc, c'est que du coup, la différence entre le miracle et le symbole, c'est que le miracle, il peut être symbolique, mais il est souvent littéral. C'est-à-dire qu'il faut le prendre tel quel, comme un exploit surnaturel pour impressionner l'humanité. Là où je parlais de symbolisme profond, par exemple de la légende arthurienne, tu pourrais en trouver bien d'autres des domaines symboliques. On pourrait citer, je te donne un exemple, l'Atlantide. L'Atlantide. René Guénon a énormément écrit là-dessus. Platon mentionne l'Atlantide. C'est bourré de symboles. La cité engloutie, c'est quelque chose qui, dans un vocabulaire quasi jungien, nous touche un truc qu'on comprend même pas. Tu vois? Il y a un truc Claire. qui se passe en nous. Oui, pardon, je ne sais pas si tu as parlé, Flavien Steinmann. Ah, pas du tout, mais je bois tes paroles. Eh bien, justement, lorsque tu entends parler de pierres philosophales, d'éthers, d'éléments, et en fait, je vais aller plus loin. Tu ouvres Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bien Le sûr. soleil en est le père, la lune en est la mère, etc. Il y a Bien un sûr. truc qui se passe dans ton humanité. Exactement. Et tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sais qu'il devrait se passer quelque chose. Eh bien, ça, c'est le symptôme de la dilution quantitative de la connaissance doctrinale, on va dire originelle. Au sens guénonien, je parle pour Guénon, là. Bien sûr, bien sûr. Je On, parle sur pour Guénon. cette hypothèse-là. Et donc, là où tu parlais de dogme qui dilue la qualité de la révélation, oui, c'est le principe du dogme. En fait, il faut vraiment voir ça comme du sirop de grenadine. C'est-à-dire que tu as 10 verres à faire et il te reste un fond de grenadine. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais 10 verres avec de l'eau qui a un peu le goût de grenadine. Il en va de même de la doctrine traditionnelle. C'est-à-dire que tu as une révélation de haute qualité qui fonde une civilisation. Et plus le temps passe, plus elle doit être préservée, et moins il y a de sachants, et donc tu dois la dogmatiser et l'exotériser, et ça donne typiquement ce que René Guénon appelait la religiosité. C'est-à-dire, on va faire le test en direct, et je n'irai pas plus loin. Olivier, bonjour Olivier. Bonjour. Oui? Tu es un bon catholique. Ah oui. Et oui, tu vas à l'église Oui, tout le ah temps, toi, oui, je je vais à sais. l'église, oui. Allez, explique-nous le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est par rapport au village du Père Noël qui vient de Norvège. Dans les forêts de Norvège, il y a beaucoup de sapins. Et Voilà, super. voilà, c'est ça, oui. Il y a une étoile sur le sapin, c'est le 25 décembre, un jour de solstice. C'est un sapin, c'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui survit l'hiver. Tu te dis pas qu'il y a peut-être autre chose que le Père Noël de Coca-Cola? Si, si, c'est ben, si, c'est par rapport aux forêts de sapins en Norvège, le Père Noël. Le Père Noël, ben voilà, Oui. tu vois Flavien, religiosité. On a un exemple archétypique. C'est je pratique sans savoir quoi, mais du coup, ça permet à ma civilisation de garder un tout petit pied dans ce qu'il a constitué à la base. Allez, Bien sûr. si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Parce que là, tu m'as envoyé dans les cordes avec ton histoire de sapin. Mais le dogme, ça sert justement à ça. T'as des gens qui sont dans l'ésotérisme et t'as le peuple qui est dans l'exotérisme, qui a justement pas besoin d'approfondir des sujets. C'est le but. Alors là, tu dis quelque chose de controversé, pardon.
Dis-moi. Parce que il y a une partie dans le règne de la quantité qui s'appelle la haine du secret. La civilisation occidentale chrétienne n'aime pas l'ésotérisme. Mais en fait, et c'est toute la thèse, mais là vous me lancez sur un sujet, l'électron libre, je trouve que tu nous amènes loin ce soir, mais c'est bien. Il a peur de rien, il a peur de rien. Parce qu'en fait, tout vient d'un verset de l'évangile, on ne met pas la lampe sous le boisseau. Tu vois, une lampe c'est fait pour être au-dessus, pour éclairer tout le monde. Il n'y a pas de secret. Et dans l'évangile, tu vois que Jésus s'énerve contre les pharisiens parce qu'il dit... Malheur à vous, parce que vous avez tenu les révélations, en fait, qui pourraient apaiser le cœur de tout le monde, secrètes. Et ce n'est pas le but. Mais pour autant, on sait aujourd'hui, et il y a eu peu vraiment de travaux sur la question, que la civilisation chrétienne, malgré cela, déjà s'est constituée ésotériquement, puisque je rappelle que, là, vous parliez de maçonnerie, à la base, les sociétés chrétiennes sont des sociétés qui étaient très discrètes, puisque les chrétiens étaient persécutés et tués. Je vous signale que toute l'histoire de la ville de Lyon, c'est le massacre de martyrs chrétiens. Et le truc, c'est que fondamentalement, il y a eu, dans la religion et la civilisation chrétienne, des mouvements initiatiques qui ont coexisté avec l'Église dès les origines. Et c'est ce qui a permis à un moment donné, pendant les croisades notamment, c'est la thèse guénonienne, hein, encore une fois, c'est que vu qu'il y aurait une tradition primordiale et que les initiés de chaque grande civilisation connaîtraient cette tradition primordiale, ils pourraient donc communiquer entre eux. Et c'est vrai que pendant les croisades, ce qu'on constate, c'est que les hauts gradés des tenants de la doctrine catholique occidentale n'avaient aucun mal à dialoguer et à se comprendre avec les hauts gradés de la doctrine musulmane et de même avec des hauts gradés de la doctrine hindoue, etc., comme une espèce de langage universel de l'humanité qui remonterait aux origines des origines. Et comment ne pas être guénonien dans ce cas-là, à partir du moment où tu peux nous dire cette phrase avec assurance? Eh bien, parce que... Oui, Flamien. Non, vas-y, vas-y. Eh bien, l'Église catholique, ne serait-ce que la théologie catholique, y répond de toute façon. C'est que... Enfin, c'est la base des religions abrahamiques, c'est qu'on a une origine commune. Avant Abraham, d'ailleurs, qui s'appelle Adam. Et à partir de là, il y a une dilution de l'humanité et des points communs entre les deux. Et c'est ce que Jung appelle la mémoire archétypique, d'ailleurs. C'est que toute l'humanité réagit à des symboles sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il y a un truc qui est ancré dans un inconscient collectif, avant que ça devienne un terme marketing, qui nous touche et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et on sent qu'en fait, avec un homme qui est à l'autre bout du monde, il y a un point commun, parce qu'on est une humanité de toute manière. Et du coup, la thèse guénonienne, c'est quand même que malgré cette haine du secret, la civilisation chrétienne a gardé des mouvements initiatiques via les Templiers, dont je rappelle que les maçons se réclament. Faut-il le rappeler? Non, mais je le sais, c'est Astrogo dans Assassin's Creed. Et je ne sais pas ce que tu me dis, mais peut-être. Et après les Templiers, il y a eu qui? Que les Templiers, vous avez Bernard de Clairvaux, et je ne le dirai jamais assez, dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est le texte le plus fondamental de notre civilisation, je pense en termes de littérature pure, Dante Alighieri commence en enfer avec Virgile, pour la raison antique, qui a écrit l'Énéide, le grand Virgile, poète antique. Il arrive au purgatoire, il finit le purgatoire, il monte au paradis avec Béatrice, qui représente la foi. Et qui y a au bout du paradis? Flavien, alors? Ah ben ça, je vais te laisser le dire. Bernard de Clairvaux. Saint c'est Bernard de Clairvaux. Et qu'est-ce qu'il fait là? L'initié par l'excellence qui, Dante, après avoir passé l'épreuve de la raison pure par Virgile et l'enfer et le purgatoire, après avoir découvert la foi avec Béatrice, se retrouve amené au sommet du ciel par Saint Bernard de Clairvaux, qui est l'initié parmi les initiés. Donc, Dante Alighieri ne se réclame-t-il pas, ce faisant, de quelque chose qui était un petit peu caché à son époque et qui était compris dans certains groupes comme la Fede Santa ou les Fidèles d'Amour? Non mais attends, Joachim, moi je suis désolé.
Non, mais je vais très loin, mais je suis désolé, je vais choquer tout le monde. Je représente le chat, je représente le peuple, je ne représente pas le Christ. Donc je suis obligé de faire redescendre un peu le niveau dialectique de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui naît en France, qui va sincèrement à l'église, parce que ses parents allaient à l'église, qui a fait le catéchisme, qui a fait sa communion, etc., et qui toute sa vie va à l'église, fait ce que le prêtre lui dit, ne fait pas le mal, ne fait attention, prie la nuit, mais ne se pose pas des questions, comme tu le dis, parce qu'a priori, soit ta réponse, en gros, moi je dis que la religion, en particulier les catholiques, mais les religions ont créé des dogmes, du coup, exotériques, justement pour que le peuple puisse en profiter sans avoir à réfléchir. Donc pour toi, là, tu me réponds que non, qu'en fait, le catholique, c'est forcément ésotérique, que quand il faut lire Dante, il faut comprendre tous les symboles, etc. Mais... Non, mais j'ai pas dit ça. Tu vois, tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, si, mais dans ce cas-là, dis ce que tu as dit. Mais je parle en juif ce soir. Eh ben oui, mais pourquoi tu parles en juif alors que c'est l'interview vérité? Voilà les vraies questions qui fâchent. Comment ça, parce que c'est l'interview vérité? Comment ça? Je te dis, je parle en juif, tu me dis pourquoi tu parles en juif alors que c'est l'interview vérité? Eh ben oui, mais attends, moi je suis là pour créer du dialogue, pour faire la réaction. Réagis comme tu veux à ma question. Mais attendez, parce que j'ai une question là pour Joachim quand même. Je voudrais revenir sur cette histoire de verre de grenadine parce que mon cerveau n'est pas redescendu depuis. Oui, oui, moi aussi, j'adore la grenadine, vas-y. Alors Joachim, j'ai beaucoup aimé ton image de la dilution du peu de grenadine que t'as dans 10 verres de grenadine. Tout à fait. Ce qui reviendrait à dire qu'un bout de la vérité est partout. Mais à partir du moment où il y a ça, comment trier ce qui fait partie de la grenadine et ce qui fait partie de l'eau individuelle de chaque verre? Et ça m'amène à une toute petite question qui va juste derrière. C'est que comment tu mets dans cette équation le fait que ton choix de religion, parce qu'on parle de ça là pour être beaucoup plus clair, là je me mets à un niveau très bas et je me dis je dois choisir une religion. S'il y a une vérité là-dedans, il faut en choisir une, même s'il y a un bout de vérité dans tout, vers laquelle je vais. Et on sait, enfin je pense qu'on sait que la religion vers laquelle on va, c'est souvent par déterminisme socioculturel. Du coup, comment tu mets ça dans les coutumes? Mais c'est une question à laquelle je vais répondre, parce qu'elle est limpide. Et très guédonienne comme question. Avant de se faire, je voulais juste dire que lorsque je dis je parle en juif, ça veut dire au niveau doctrinal. Et de ce fait, le judaïsme est une religion qui a réussi à faire la synthèse entre son courant ésotérique et son courant exotérique. C'est-à-dire qu'entre le Shulchan Aruch, le Talmud, et à côté le Zohar, le Yetzira et tout ce qui s'ensuit, il y a une cohésion parfaite. Que tu sois mitnagdim, que tu sois chassidim ou que sais-je, un initié juif littéral peut monter à un certain grade pour aller jusqu'au niveau du sod. Tu as le pshat, le drash, le remes et le sod, 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Pour les juifs, je parle. Le pshat, c'est le niveau littéral. Le drash, c'est le niveau, on va dire, symbolique. Le remes, c'est le niveau homilétique. Et le sod, qu'on appelle le vin de la Torah, c'est littéralement le vin de la Torah. Tu ne dois pas la donner à un nouveau-né intellectuel ou spirituel. Le vin, le sod, c'est le secret, c'est le quatrième niveau. Et en fait, dans le sod, tu as des niveaux et des sous-niveaux, puisque le Zohar, qui est le sod de la Torah, est déjà à 10 niveaux différents. Et puis en fait, il y a 100 niveaux d'interprétation qui ont été révélés par Rabbeinu Ari et mis à l'écrit par son disciple Chaim Vital. Les Juifs ont fait une synthèse parfaite là-dessus. Les musulmans, eux, ils ont des clashs perpétuels, puisque tu as les mouvements Moutassaouf et Soufi qui, eux, se font persécuter par les mouvements plus littéralistes, et c'est une guerre perpétuelle, donc ils n'ont pas fait la synthèse. Chez les chrétiens, il n'y a que l'exotérisme qui est reconnu tel quel. Il y a des mystiques, Maître Eckhart et toute la clique, qui ont toujours frôlé la frontière. Maître Eckhart s'est fait menacer d'être excommunié, de se faire défoncer par l'Église, etc. Là où je veux en venir, c'est que le catholique qui suit son dogme et sa foi, il a déjà un niveau exceptionnel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est René Guénon. À partir de là, tout est dit. Il dit c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Voilà, et je suis d'accord avec lui. Mais pour répondre à la question de Flavien Steinmann, car ma réponse l'a troublé sur la grenadine. Effectivement, imaginons qu'il y ait 10 verres de grenadine et que j'ai 3 centilitres de grenadine à diluer dans 10 verres. Les verres n'auront plus beaucoup le goût de grenadine. Et la question de Flavien, je la synthétise, c'est comment distinguer ce qui est de l'ordre de l'eau de l'ordre de la grenadine dans les verres. Autrement dit, comment distinguer ce qui est de l'ordre de la quantification de la connaissance, de la perte de qualité, et
qui a été à l'origine des origines, la qualité qui a été transmise directement dans... Comment la distinguer? Comment la retrouver? Et bien sûr, et surtout, comment retrouver dans les différentes... Parce qu'il y a différents types d'eau. Il y a de l'eau plate, de l'eau pétillante, de la Perrier, de la San Pellegrino. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau est différente dans chaque verre, même si la grenadine est la même. Et c'est ça qui me fait me poser des questions. L'eau est différente, mais en vérité, la grenadine est la même. D'un point de vue guénonien. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il faudrait prendre les points communs? Est-ce que mais c'est les points communs qui comptent dans les religions? Tu veux une réponse de René Guénon ou une réponse tout court? Alors non, je veux ni une réponse de René Guénon qui est assez claire sur le sujet, ni une réponse tout court. Moi, j'aimerais avoir ta réflexion sans trop se livrer personnellement. Eh bien, moi, ma réflexion, elle est très claire. C'est que si on prend... Il y a un écho, par contre. Qui c'est qui a un écho, messieurs? Oh, non, il n'y a pas d'écho. Tu confirmes qu'il n'y a pas d'écho, hein? Confirme, Ed. Bon, excellent. Alors, au-delà du déterminisme que tu appelles socioculturel, que j'appelle civilisationnel et qui n'est pas vraiment un déterminisme aujourd'hui, puisque je t'invite à m'expliquer ce qui, en France, ferait qu'un Français a envie d'être catholique. Je ne sais pas si tu auras quoi que ce soit à me dire là-dessus. Oui, mais alors, si j'ai une réponse rapide, il n'y a pas que des catholiques en France. Y a pas que des... Oui, c'est pour ça que du coup, tu as un terme socioculturel. Exactement. Et oui, parce que tu es issu d'une communauté maghrébine, tu as plus tendance à l'islam, et puis une communauté juive au judaïsme. Et ok, très bien. Je vois ce que tu voulais dire du coup. Donc effectivement, le terme civilisationnel est devenu impropre puisque le poids de notre civilisation sur notre pays est devenu très faible. C'est un constat assez triste, mais c'est un constat qu'on peut te reconnaître, électron libre. Je suis d'accord avec ce constat. On peut le reconnaître. Le génie français a produit Jules Lescaut. et on passe de... Enfin bref, c'est une autre histoire. Oula, on sent que t'es perturbé, mon ami Joachim. Là, tu veux peut-être qu'on enchaîne sur un autre sujet, qu'on passe à autre chose? Pas du tout, au contraire, j'aimerais formuler ma réponse de la plus belle des manières. Très bien. Et juste pour bien comprendre la question... Tu aimerais savoir, du coup, donc voilà, je récapitule encore une fois, comment distinguer la qualité de la quantité dans ce qu'il y a de la transmission doctrinale et civilisationnelle, et d'autre part, comment distinguer le vrai du faux dans la mesure où, si tout a une part de vérité, pourquoi choisir telle ou telle chose? C'est bien cela? Oui, sachant que les différences sont parfois non négligeables et sont même parfois les sources de conflits des peut-être les plus gros conflits mondiaux. Non. Alors, par contre, expliquer que les... Alors, si tu parles de la doctrine en général, oui. Si tu parles des guerres de religion, c'est oui, mineur à l'échelle de l'humanité. Hein. Bien sûr. Et puis, on arrive à pire, notamment par l'absence de dogme. Mais ça, ce serait un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a créé des conflits. On s'accordera là-dessus. Ça a créé du conflit, alors que ça vient de la même grenadine. C'est ça qui m'intéresse. Alors que c'est censé transmettre la même vérité. Mais ça a créé des conflits parce que ça vient de la même grenadine. Ne cherche pas plus loin que ça. On ne se bat qu'entre frères civilisationnellement. Tu remarqueras qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion Shinto versus christianisme. Ça n'aurait pas de sens. Oui, mais est-ce qu'in fine, ça reste pas humain contre humain? In fine, ça reste humain contre humain, mais ne pas négliger le poids du dogme. Et tu remarqueras que les guerres les plus sanglantes de l'histoire des religions sont avec les religions les plus proches. Que ce soit protestantisme versus christianisme, que ce soit... le catholicisme occidental et orthodoxe, du coup oriental, versus l'islam, qui sont des religions extrêmement proches, je le rappelle. Il y a une sourate al-Mariam dans le Coran, une sourate sur la Vierge Marie, qui explique la nativité, la virginité de la Vierge Marie. Limite, j'ai envie de te dire que les musulmans mettent un peu plus haut la Vierge Marie que ce que font les protestants. Et tu remarqueras aussi... le conflit perpétuel entre le monde chrétien et le monde juif, qui n'était pas un monde mais une diaspora, et comment les chrétiens ont eu la haine perpétuelle contre le judaïsme parce qu'ils représentaient un peuple qui rejetait le Christ. Et en fait, 80% du corpus des deux religions, c'est le même. C'est l'Ancien Testament. Donc évidemment qu'ils se battent, mais ça, effectivement, le conflit est humain. Mais pour revenir à la question, comment distinguer la substantifique moelle doctrinale et de vérité de l'eau qui s'est diluée au fil du temps, pour reprendre la métaphore? Eh bien, j'ai envie de te dire
qu'il faut remonter toujours, et c'est un travail qui doit être fait, en tout cas toujours d'un point de vue guédonien, à la source des sources. Qu'est-ce qui a permis de fonder ? Et moi, c'est un raisonnement plutôt pratico-pratique que je donne, là c'est une opinion personnelle. Et je l'ai développé dans ma vidéo sur la crise du sens. C'est lorsqu'on est sur une branche qui devient pourrie, qui craque et qui a des vers de terre à l'intérieur, on ne sait plus ce qu'on fait là. Il faut remonter à la racine, il faut remonter les branches, il faut remonter au tronc, il faut aller voir à la racine. Et si on trouve une racine qui est vivace et qui a permis l'édification de cet arbre, c'est que c'est la source qui a bien permis l'édification de cet arbre. Et donc, il faut se reposer non plus sur la branche qui est cassée et en train de pourrir, mais sur la racine elle-même. Et je pense que le premier exercice que toute personne qui prétend vouloir revivifier ce qui faisait tenir une civilisation debout doit faire, c'est aller identifier ce qui a fondé cette civilisation. L'identifier. Et tu peux peut-être nous donner des pistes ? Eh bien, attends, il ne faut pas chercher bien loin. On est français ici. Alors voilà, on est en France, il ne faut pas chercher bien loin. Le fondement de la civilisation, n'en déplaise aux modernistes, ce n'est pas Voltaire qui écrit des trucs et qui veut faire assassiner Jean-Jacques Rousseau parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. C'est la base des bases. Le fondement de la civilisation occidentale, c'est un passé romain, etc., qui était en déclin, et qui d'un coup a été qui n'a pas été revivifié, qui a été vivifié par un truc tout nouveau qui lui est tombé dessus comme une espèce de météorite, qui s'appelle le christianisme. Et ce christianisme a des sources. Il en a deux. La première des sources du christianisme, c'est la Bible, particulièrement le Nouveau Testament. Après, vous savez qu'il y a eu un grand débat avec ce qu'on appelle les marcionnistes qui disaient l'Ancien Testament, il est pourri, il faut le jeter. Ça n'a aucun sens. C'est un corpus unique, un corpus parfaitement uniformisé. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On rejette le Pentateuch, Isaïe, les psaumes, on fait quoi ? On rejette Tobie, enfin bref. Et ce texte-là, c'est marrant parce qu'il y a une histoire comme ça d'ailleurs dans la Bible, où on refonde la civilisation par le livre. Eh bien, ce texte-là, chaque histoire, chaque parabole de l'Évangile est inscrite, je le pense, dans l'inconscient de toute personne qui vit au fin fond du Portugal, au fin fond de l'Espagne, au fin fond de la France, au fin fond de l'Allemagne. Je vous parle d'un mot comme le mot talent, par exemple. Ça vient d'une parabole, le retour du fils prodigue, etc. Tout ça a façonné et a fondé le cœur de notre civilisation qui lui a permis de naître, de grandir, d'atteindre son âge d'or. Et plus on s'éloigne de cette source, plus on a décliné. Ça, c'est une thèse qui est la mienne. On peut contredire, on peut dire ce qu'on veut. Ma thèse, c'est que les racines, elles tiennent là. Elles tiennent là, c'est-à-dire au fondement du christianisme. Je vous ai parlé de deux sources, une source littérale, écrite, et une source qui s'appellera plutôt le magistère. C'est qu'on est une civilisation de la philosophie et de la métaphysique, et ça donne des âges d'or, qui est notamment le Moyen-Âge, avec la production scolastique merveilleuse des thomistes et tout ce qui s'en suivra. Ça donne Saint-Augustin dans la fin de l'Antiquité, qui produit des traités de théologie absolument magnifiques, et qui va fonder par la réflexion philosophique, c'est pour ça qu'on parle souvent de civilisation helléno-chrétienne, puisque je rappelle quand même que notre corpus fondamental est en grec, le Nouveau Testament est grec, on n'a pas reçu les vestiges araméens ou hébreux, ou hébraïsants tout du moins du Nouveau Testament, c'est en grec, puisque les apôtres sont allés prêcher dans le monde du coup grec, qui n'était pas occidental pour l'instant, mais peu importe. Et c'est ça le fondement de notre civilisation. Et quand un corps décline, quand une plante décline, on retourne à sa racine et on constate ce qui a permis à cette plante de grandir. Et ce faisant, on se reconnecte avec cette chose, et je le dis, on parlait des symboles, de l'alchimie, etc. Toucher à la source de ce qui est notre âme civilisationnelle, voire notre âme tout court, c'est une sensation bien étrange. Et du coup, Joachim, tu es en train de nous dire qu'on a une civilisation qui a des bases communes, qui s'est créée pendant des millénaires, on peut le dire, et que, par exemple, si on prend la modernité telle qu'on est en train de la vivre, malheureusement, si on a, allez, pour les pires,
4 voire 5 générations d'une même branche familiale qui sont totalement déconnectées de tout ce poids civilisationnel, qui sont vraiment dans le matériel et dans la finitude pure. Malgré tout, le cinquième qui est tout en bas de la liste, qui a vraiment, il a subi 5 générations de matérialisme pur, il pourra se reconnecter de manière ultra naturelle à la racine. C'est ça que tu es en train de dire. Je dis ça et je dis qu'il a soif de cette racine et qu'il vit une crise existentielle parce qu'on lui a enlevé cette racine. Et que du coup, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est un jouisseur perpétuel ou un dépressif perpétuel, sachant que le jouisseur est peut-être plus dépressif que le dépressif qui lui assume sa dépression. C'est toute la beauté. La personne qui se vautre dans la fête, dans la dépravation, dans la débauche est infiniment plus triste et déprimée que la personne qui accepte sa dépression et qui, en fait, s'enferme chez lui à pleurer toute la journée. J'y crois dur comme fer. Mais les deux personnes ont un point commun, c'est qu'ils n'ont plus de pieds. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils ne savent pas où avancer. Et du coup, ils errent comme des aveugles dans un désert où il fait perpétuellement nuit et où ils cherchent à boire. Il fait froid un coup, il fait chaud un coup. Ils sont perpétuellement esclaves des aléas. Ils sont perpétuellement esclaves de leur propre turpitude et de leur propre passion. Et ils pensent que la finalité de la vie, c'est la jouissance et d'accomplir sa pulsion. C'est-à-dire qu'ils deviennent esclaves de leur propre finitude, de leur corps, de leur chair qui va périr. Et donc, ils deviennent leur chair et leur finitude, ce qui fait qu'ils deviennent finis. Alors qu'ils ont besoin et soif d'éternité. Mais du coup, soif d'éternité, il faut se reconnecter à la base des bases. Enfin bref, oui, pardon, excusez-moi, dites-moi tout. Du coup, si on considère quand même, sans trop forcer, que notre civilisation est quand même très déconnectée de ses racines, et ne serait-ce que de la spiritualité au sens large depuis plusieurs générations, est-ce que pour toi, le retour aux racines est individuel ou du coup doit quand même devenir collectif et toute la société doit se retourner en même temps? C'est le Coran dit une très belle chose sur le sujet. Il dit qu'un peuple ne peut pas changer, une nation ne peut pas changer avant que le peuple ne se change lui-même. Et c'est d'abord un travail individuel. On est d'abord une somme d'individus qui ensuite constituent un groupe. Et je pense que là, on est tellement en fin du cycle du sillage de l'Homo Novus, c'est ce qu'il a pu produire de mieux et de pire, qu'à un moment donné, ça ne va pas durer comme ça. On ne peut pas tenir, en fait. Il y a une telle crise du sens, une telle vacuité existentielle. On est de retour à la fin de la vie de Salomon. Tu sais, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Ok, maintenant, tu te poses là 2 secondes sur un fauteuil. J'ai passé de super vacances, je suis allé aux Maldives, je me suis éclaté. Ok, et après? Tu vas mourir, tu vas finir dans la tombe. Si tu n'es que chair, tes souvenirs vont pourrir avec toi dans la tombe. Ok, j'ai une grave dépression, j'ai un cancer généralisé, je vais mourir. Ok, quelle différence entre le fait d'avoir un cancer terrible et mourir et aller s'éclater, je ne sais pas moi, au Canada, en Alaska, en Australie, à New York, à Los Angeles, quelle différence en fait finalement, puisque au moment T de la fin de ta vie, plus rien n'aura d'importance, tu te décomposeras et tu seras mangé par des vers. Quelle différence? Il n'y en a pas. Et le summum de cette forme de nihilisme, je ne le dirai jamais assez. C'est une phrase de Mein Kampf qui m'a toujours choqué. Adolf Hitler, qui n'a jamais été un religieux, un opportuniste politique. Il écrit, et je le dis toujours cette phrase, que le tigre tue l'homme ou que l'homme tue le tigre. Quelle différence? Eh oui, puisque c'est un nihiliste, puisqu'il n'y a pas de transcendance, puisqu'il n'y a pas de sens à tout cela. Et la production finale de tout cela, c'est l'opportunisme, qu'il soit politique ou humain. C'est l'eugénisme, c'est, je ne le dirai jamais assez, c'est Nietzsche. Vu que rien n'a de sens, donnons un sens au non-sens avec la volonté de puissance, avec une transcendance dans l'immanence finalement, une transcendance de l'absurdité, et tâchons des espèces de feux d'artifice, éphémères certes, mais voilà, rendons tout ça grandiose. Sauf que je suis persuadé, c'est une croyance intime, que le fond de notre être, tu parles de spiritualité, spiritus, ça veut dire souffle. C'est le souffle. Le fond de notre souffle, c'est-à-dire ce qui nous fait à un moment donné nous réveiller.
c'est une soif de l'éternité, c'est-à-dire ce qui ne périt pas et ce qui dure. Et je pense, comme le disait Spinoza, que nous sentons et ressentons que nous sommes éternels, qu'il y a un truc en nous qui est plus qu'une finitude. Et c'est cette chose-là qui nous permet de donner un sens, ou plutôt de découvrir le sens profond de notre existence, à travers le fait qu'on ressent notre propre éternité et notre volonté de ne pas finir. La simple volonté de ne pas finir, pour moi, est une preuve incontestable de notre nature éternelle. Et c'est cette nature éternelle qui, si elle est nourrie et stimulée, fait que nous sommes éternels. Tandis qu'investir dans la finitude, ce qui est en fait le sens du péché dans les religions abrahamiques, tout péché n'est qu'un investissement dans la finitude et l'ego, c'est-à-dire la délimitation entre nous et autrui. Et toute bonne action est un investissement dans ce qui dépasse l'ego, qui dépasse la frontière entre nous et autrui. Eh bien, cet investissement dans l'éternité nous permet d'être et de ressentir notre propre éternité, donc de la faire grandir elle-même, tandis que l'investissement dans notre propre finitude nous rend finis, limités, et est en fait une souffrance absolue, puisque nous ressentons en investissant dans notre finitude notre propre absurdité. Puisque si je suis ma finitude, je suis absurde, puisque je vais périr et passer. Mais si je suis mon éternité, je ne suis plus absurde, puisqu'il y a quelque chose qui va au-delà de ma vie qui va se finir. Mais Joachim, pardon. Ça, c'est le fondement de notre civilisation. Oui, Olivier, vas-y. Si je peux me permettre, moi, je suis encore une fois la voix du chat. De toute façon, Flavien est complètement bouche bée par cette universalité. Il ne peut pas te rentrer dans le là. Donc, je vais juste être la voix du chat. Ce serait mal poli. Ah, on va respecter. Il y a plusieurs personnes qui, depuis ta dernière réponse, se disent déprimées par ce que tu es en train de leur dire. Malgré le fait que tu aies donné des pistes, c'est-à-dire qu'au contraire, se rendre compte qu'on est fini, enfin se rendre compte qu'au contraire qu'on est infini dans un monde fini, c'est là où il faut commencer à travailler. Mais du coup, on va essayer d'être positif, on va essayer de pousser les gens à faire peut-être les bons choix. Et s'il y en a un, voire deux, sur les 556 qui nous écoutent aujourd'hui, plus les dizaines de milliers qui nous regarderont en rediffusion, pour qui tes prochaines paroles vont servir, eh ben on a gagné. Donc j'ai envie de dire, maintenant qu'on s'est rendu compte, on s'était jamais posé la question. Je me mets à la place de quelqu'un dans le chat. On s'était jamais posé la question. On écoute ton émission, on se dit c'est vrai. Ok, c'est vrai, on est infini. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Et ça nous travaille, ça nous travaille, ça nous travaille des jours et des jours. On est là, oui, on est infini, on est infini. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant pour commencer à aller plus loin que la vie qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui? Et tu vois, déjà, si tu te poses la question, tu redeviens l'homo novus de Giordano Bruno. Tu vas 5 siècles en arrière. Mais attends, tu dis parce ça, c'est que... bien ou c'est pas bien? La moitié terrible. Une insulte, à moitié un complément. Et oui, tu reviens 5 siècles en arrière, et puis du coup, tu produis une génération de gens qui vont se dire « Ok, on a quelque chose d'éternel, c'est clair qu'il y a un truc en plus, il y a un sens à tout ça. Ok, on repart à zéro, on se creuse la tête. » Et puis là, il y a un mec qui s'appelle René Descartes V2 qui pond le discours de la méthode V2. Et il dit la base, c'est la pensée. Puis après, tu as Spinoza qui arrive après, puis qui fait son système métaphysique. Puis tu as Leibniz qui dit Spinoza, t'es juste un juif qui fait de la Kabbalah, mais tu l'as rationalisé. Mais attends, on a compris. Ça, sauf qu'ils se disent tout ça sur TikTok. Avec TikTok est moderne. Oui. Mais attends, mais moi, ma question, c'est juste qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est toi qui me dis, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Juste qu'est-ce qu'on fait si on veut commencer à travailler? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, j'ai toujours dit, on prend ses yeux, on les tourne à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la première des étapes. On prend ses yeux, on s'enferme. Là, on s'enferme. Hein, on fait beaucoup ça à l'armée, d'ailleurs, c'est une très bonne pratique. On s'enferme dans une pièce où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. On s'enferme, on se tait. Tu comprends? On fait des pompes contre le mur, tu fais ce que tu veux, mais tu te tais. Tu t'enfermes et tu te tais. Et là, tu regardes en toi. Et là, il y a le silence. Un silence qui commence à être pesant. Et tu te rends compte que ce silence, tu l'as toujours fui. Si tu es une espèce de dépressif qui est chez toi et qui vit avec des streamings, c'est le message de message internet, je le dis, qui s'endort avec des streamings parce qu'il ne supporte pas le silence, parce que le silence le confronte à lui-même et en fait lui-même, il n'a pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui parce que ça le terrifie, et ben tu te tais, tu mets le silence. Si tu es une espèce de décérébré, dégénéré qui passe son temps entouré de bruit et de gens qui s'éclatent et qui boivent et qui prennent de la drogue pour fuir leurs propres conditions, c'est pareil, je vous mets dans le même sac et je vous enferme dans le sac, j'agite le sac, on vous enferme dans des pièces confrontées à vous-même dans le noir une semaine, deux semaines, et vous regardez, vous prenez vos yeux, vous les tournez à l'intérieur de vous-même et vous contemplez le silence et vous contemplez la vacuité. Et là, vous prenez un diagnostic, il y a une vacuité, je ne vais pas bien.
il y a un truc qui cloche parce qu'en fait, ma vie n'a pas de sens. Et parce qu'en fait, j'ai une soif de sens, mais je ne sais même pas que j'ai une soif de sens. Donc, il y a une vacuité qui s'instaure. Donc, je suis en train de brûler à l'intérieur. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui cloche? Je n'en sais rien, mais il y a un truc qui cloche. OK, premier diagnostic. Maintenant qu'on a les yeux à l'intérieur de nous-mêmes, on comprend qu'il y a un truc qui cloche et qu'il y a une vacuité. Et que s'il y a une vacuité qu'elle me fait souffrir, c'est que potentiellement, il y a un autre état possible que la vacuité. Et donc, à partir de la vacuité, je comprends que potentiellement, il peut y avoir autre chose que la vacuité. Donc, je remplis la vacuité avec la seule chose qui peut tuer la vacuité humaine, qui est le sens, avec un grand S, qui est la direction. On reprend la métaphore d'Homo Novus dans le désert, un homme sans pied qui marche dans un désert tout noir, où ils cherchent désespérément de l'eau. Certains trouvent de l'eau et s'abreuvent et s'abreuvent et s'abreuvent, puis meurent. Certains ne trouvent pas d'eau et souffrent perpétuellement, mais les deux meurent de la même manière, c'est-à-dire dans la finitude. Peut-être qu'à un moment donné dans ce désert, une petite étoile peut apparaître, une petite bougie. Et là, on commence à avoir une direction parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ce dont on avait besoin dans ce désert, ça n'était qu'une direction. Et non pas une somme d'oasis pour boire, mais des oasis qui nous permettent désormais d'atteindre cette direction finale. Un sens. Le gros mot est lâché. Le gros mot dans le siècle de la vacuité est lâché. Un sens qui ne serait pas un sens subjectif, mais un sens qui nous concerne tous et qui serait objectif. Et là, on commence potentiellement à se rendre compte que l'âme commence à s'exprimer. L'âme au sens de notre nature éternelle, la chose qui fait que nous avons soif d'éternité puisque nous sommes plusieurs sommes de choses. Et j'adore la théologie juive en ce qu'elle donne tellement de détails sur l'âme, avec le nefesh, la neshama, le rouar, etc. Peu importe. Le rouar à Kodesh. Flavien, je sens que tu comprends cette blague mystique. Elle est bonne, le rouar à Kodesh. Et enfin bref, là je vais faire des références beaucoup trop obscures. Et cette lumière, en fait, est un sens. Et là, l'oasis n'est plus une source d'angoisse ou de jouissance perpétuelle, absurde et vaine. L'oasis devient un moyen d'atteindre cette lumière. On avance, on avance, on avance, avec potentiellement un jour l'espoir d'atteindre cette lumière. Et la vie, tout d'un coup, acquiert un sens. Et toutes les épreuves du désert, les tigres, les scorpions, les araignées, la soif, la faim, le froid, le chaud, la sécheresse, tout cela ne devient que des étapes pour accéder à un objectif. Et alors la souffrance prend un sens totalement différent, la souffrance de la vie. Alors la souffrance n'est plus qu'une somme de souffrance. La souffrance devient un moyen d'avancer. La souffrance devient un obstacle à franchir. Et là, tout le paradigme change. Et donc, on est dans cette pièce, dans le moment, on a les yeux tournés en nous-mêmes. Et à ce moment-là, on comprend fondamentalement que peut-être on est un peu plus qu'un amas de tubes digestifs qui mange, qui digère, qui va aux toilettes et qui dort et qui s'amuse ou qui pleure, peu importe. À ce moment-là, quand on comprend que potentiellement on est plus que tout cela, là, il se passe quelque chose, les yeux peuvent se retourner vers l'extérieur et on peut sortir de la pièce où on était enfermé et on est potentiellement prêt à affronter la suite. Maintenant qu'on sait qu'il y a un sens et qu'on identifie le sens, chacun fera son travail. Je ne vais pas dire faire ci, faire ça n'est pas de mon ressort. Chacun fera son travail. Oui, Mais si d'accord. vous me poussez, je peux dire potentiellement des petites pistes. Bah Mais oui, j'ai mais est-ce pas que là, envie. tu as fait tout ce raisonnement pour au final, t'as pas répondu. Tu aurais juste dit de s'enfermer dans les toilettes et de regarder en eux. C'est un bon début. Mais nous, Un bon début. on veut du concret. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dit les toilettes, j'ai dit une pièce dans le noir. Et bah, du concret. Mais non, là, parce que là, du coup, si tu vas plus loin dans le raisonnement, ça ne devient plus un raisonnement vraiment philosophique, ça devient une indication de direction. Et ce n'est pas de mon ressort de faire ça. Moi, j'ai tout dit ce soir en langage un peu caché. J'ai dit qu'il y a des racines. J'ai répondu avant que tu ne poses la question. J'ai dit qu'il y avait des racines. Des racines qui donnaient tout le sens. J'ai dit qu'elles touchaient directement ce qu'on avait d'éternel, ces racines. Mais je n'ai pas répondu à la question de Flavien. Parce que Flavien Steinmann a dit, OK, il y a les racines, il y a ci, il y a ça, mais quelles sont les bonnes racines? Eh bien, moi, je réponds très clairement à cette question, Flavien. Oui. Les bonnes racines sont tes racines. Et quand tu auras épuisé tes racines et que tu auras fait le boulot, peut-être tu pourras aller voir ailleurs. Et là, ce sera dit. Oui, d'accord. Donc là, ça me permet de rebondir sur ce que j'attendais que tu me répondes, parce que je pense que je savais que tu allais me répondre ça.
d'où on vient, parce que ça fait de base une racine. Sauf que tu vois bien que ces racines, on va encore parler une fois des religions abrahamiques, le fait qu'elles te semblent aussi fertiles en idéologie et en construction civilisationnelle est donc un argument purement civilisationnel, donc matériel. C'est parce que c'est les religions qui ont gagné que forcément, c'est celles qui créent des civilisations. Ah non! C'est parce qu'elles ont la potentialité de créer des civilisations qu'elles ont gagné. Parce qu'on ne construit pas une maison sur du sable et que rien du tout qui n'ait pu construire une civilisation. Tu sais ce que c'est une civilisation ? C'est 100 générations à la suite qui suivent un même truc et qui fondent dessus. On passe de martyrs chrétiennes qui se font arracher les seins à Lyon sur des chaises bouillantes à Notre-Dame de Paris, avec le roi de France qui met la moitié de la trésorerie française pour acheter la couronne d'épines du Christ. Magnifique. Et tout ça pour arriver à Anne Hidalgo. Qui n'est plus... Tu vois bien la pyramide, c'est la montée spectaculaire et la chute spectaculaire. Du coup, tu comprends que la montée, elle est fondée par quelque chose. Et c'est pas parce que les religions ont gagné pour fonder des civilisations qu'elles ont fondé des civilisations, c'est parce qu'elles avaient ce qu'il fallait pour fonder des civilisations. Et ce qu'elles fallait d'un point de vue strictement matériel, c'est le propos que j'ai cru déceler de manière immonde dans Metal Gear Solid 5 d'ailleurs, c'est la fin du cycle de la vengeance. Mais ça, c'est d'un point de vue strictement matériel. Oui. Joachim, tu m'accorderas que les empires, notamment tout ce qui est antique, ont créé une sorte de civilisation. Et pourtant, on parle de polythéisme et de choses qui, techniquement, vu ce qui s'est passé et vu ce que tu nous décris, ne contiennent pas de grenadine. Et c'est là que, Flavien, tu viens de commettre une grave erreur. Olivier, ton électron libre est tombé dans le piège dialectique. Ah bah attends, c'est la première fois, normalement, il est implacable avec tous les invités. Et ça fait plaisir, quand on tombe dedans, on ne tombe plus dedans, logiquement. Ah oui. Le piège dialectique était tout fondé, Flavien Steinmann. C'est que, fondamentalement, toutes les religions polythéistes, et je n'ai pas dit certaines religions polythéistes, j'ai dit toutes les religions polythéistes, ne sont que des dégénérescences symboliques de religions qui avaient une unité principielle. Si tu crois que l'Égypte polythéiste en apparence exotérique était vraiment polythéiste, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était le fondement de la doctrine égyptienne. Si tu crois que la religion grecque avec Zeus et Aphrodite, etc., était vraiment polythéiste dans son origine principielle, c'est que tu n'as pas compris qu'en fait, c'est justement parce que lorsqu'une civilisation atteint un tel déclin qu'elle devient polythéiste, qu'en fait, elle s'est tellement coupée de sa racine principielle qu'elle ne peut plus subsister. Alors, je comprends, mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si c'est une racine, même éloignée, on peut la prendre comme base, vu que de toute manière, elle répond à la même vérité, malgré sa façade de polythéisme. Donc il n'y a pas de mal. Guédonien, oui. Maintenant, vas-y, trouve-moi la racine de la religion grecque. Vas-y. Oula, tu sais, elle est bien planquée en profondeur. Hein. Mais tu veux que je te fasse une réponse catholique, par exemple ? Tu peux y aller, ça m'éclaterait. Eh bien, c'est très simple. C'est que. Je vais te faire une réponse catholique avec Maïmonide. On est là pour être taquin ce soir. C'est que les origines de la religion grecque, de la religion romaine, c'était la religion grecque du coup pour les Romains parce qu'ils ont pompé le truc, de la religion égyptienne. Je vais aller plus loin. Quelle est la première religion qui a été identifiée, on va dire ? Le zoroastrisme. Et le zoroastrisme, en fait, si tu creuses, tu sais, c'est le fondement du manichéisme, bien et mal. Mais en fait, le zoroastrisme, si tu creuses la théologie zoroastriste, tu comprends qu'en fait, il y a une unité principielle et qu'à la fin des fins, le 2 devient 1 et que tout retourne au principe. La cause des causes, la cause autocausale. Toutes les traditions amènent à l'unité principielle, toutes. L'hindouisme, qui est un polythéisme en apparence. La religion grecque. Eh bien, une réponse chrétienne par Maïmonide. Non, je vais dire une réponse. On va dire, je vais te donner la réponse de Maïmonide. C'est que toutes ces religions ont le même point commun qu'est le Dieu d'Abraham, qui a d'abord été révélé tel quel au premier homme,
qui ensuite s'est dilué, au point que l'humanité elle-même s'est tellement éloignée de lui qu'elle ne pouvait plus voir que ses agents, et qu'elle a fini par ne plus voir ses agents, donc elle en a fait des statues, et qu'en faisant des statues, elle s'est mise à en faire des systèmes pseudo-religieux, et que ça a donné des déclins sur des déclins, et que ça a donné le polythéisme. C'est la thèse de Maïmonide Mais du à coup, c'est laquelle un je ne cycle suis pas. éternel. C'est un cycle éternel d'éloignement, mais attendez, on n'y est pas si loin. On a une religion, théoriquement, en Occident, qui est le christianisme. Le christianisme est fondé sur un dogme qui s'appelle la Trinité, triunité, trois hypostases qui sont uniques et qui forment un. Un plus un plus un égale un. Mais en vérité, si le dogme s'épuise, si le dogme se coupe de sa racine, à quand le christianisme, où en fait il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est une histoire de déclin doctrinal. Donc Flavien, j'espère avoir répondu à ta question. Tu as partiellement répondu à ma question. Il manque des éléments, je serais ravi de les transmettre. Non mais donc Je tu es vais contre le dogme. reformuler. Mais qui ne tente rien n'a rien, donc je retenterai. Eh bien, Olivier, tu as dit quelque chose sur le dogme. Ben oui, mais du coup tu es contre le dogme et tu es contre l'exotérisme. Mais pas du tout, Ben, puisque si, le parce qu'a priori dogme. ça dilue jusqu'à ce que ça soit ridicule. Ah non, mais le dogme est le dernier vestige de ce qui tient encore debout. C'est ça ma thèse. C'est que ça dilue, mais pas dans le sens où le dogme est la cause de la dilution. Le dogme ralentit la dilution, puisque la dilution est inévitable. C'est ça. Alors, ça me fait me poser une autre question, une question peut-être un petit peu plus eschatologique. Que se passerait-il si c'était dilué à 100% et qu'il n'y avait plus aucun support, aucun dogme? Je suis un religieux quand même, je peux le dire. Malgré tout mon rationalisme exacerbé, je ne crois pas que ça pourrait se produire. Mais la question est bonne. Et j'aimerais te faire une réponse guénonienne. Mais c'est pas ce quoi essaye de tendre, essaye hein, de tendre, c'est-à-dire que c'est vraiment un but de la société moderne, à savoir l'athéisme plus le consumérisme. Et tu peux ajouter le New Age, la pseudo-tradition à côté. Comme Bah, je le j'ai dis envie de dire non, aujourd'hui. parce que le New Age, ok, ça bafoue la vraie tradition, mais d'autre côté, ça peut être une porte d'entrée, parce que ça permet aussi de se dire il y a quelque chose. Alors l'humanité se dira toujours qu'il y a quelque chose, puisqu'on ne supporterait pas d'être des amas de chair, on ne supporterait pas au niveau civilisationnel. Et comme je le dis aujourd'hui, on consulte plus volontiers l'horoscope que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est qu'il y a eu un problème quelque part. À un moment donné, il y a eu un bug pour qu'on se dise l'horoscope pondu par Madame Josiane la voyante est plus crédible que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il y a un moment donné, ça a cloché. Faut se le dire Ça, je parce suis pas que. d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur ça, Joachim, parce que, enfin, même aujourd'hui, même si ça pourrait dériver sur la question du dogme qui permet d'avoir une base commune, mais là, c'est pas ça dont je parle. Il y aura toujours des choses moins bien pour la diversité humaine, pour le dire poliment. Et il y aura toujours des gens qui préféreront Crazy Frog à Beethoven. Ça existera toujours, en fait. Et ça a toujours existé, je pense. C'est pas un signe de dégénérescence, je pense. On ne parle pas de la même chose, puisque là, tu parles de Crazy Frog versus Beethoven. Bien sûr, mais Ce que je c'était un dis, c'est exemple. qu'aujourd'hui, dans un inconscient collectif occidental qui a en haine ses racines, il est plus facilement acceptable à bien des égards et dans énormément de milieux d'aller consulter une voyante que d'ouvrir un traité de Saint-Bernard de Clairvaux. Et ça, c'est une tendance civilisationnelle qui est un signe de déclin suprême. Est-ce Il que ne ça n'a s'agit pas pas de toujours tout. été présent en termes de proportion? Non. À l'échelle civilisationnelle entière, je parle vraiment de l'Europe de l'Ouest, du coup, tu sais, par exemple, on peut mesurer l'état d'une nation à sa production culturelle, généralement. Y a-t-il plus grand gros mot que le théos aujourd'hui? Est-ce qu'on se permet de l'aborder? Est-ce qu'on se permet de le traiter autrement qu'avec une distance toute particulière? Non. Vraiment, le diagnostic de notre civilisation aujourd'hui, c'est qu'on. On a en haine les racines. On les a en haine. Et je parle vraiment de doctrine. C'est-à-dire qu'il faut toujours se justifier.
Là, je fais de la théologie pure ce soir, par exemple, avec de la métaphysique aussi. Et je n'ai pas voulu prendre de précautions doctrinales. Dans un cercle universitaire, par exemple, j'aurais dû le faire. Dans tout autre cercle, j'aurais dû le faire. J'aurais dû prendre toutes les distances. J'aurais dû dire, oui, c'est telle religion qui dit ça. C'est un signe énorme, Flavien Steinmann. D'accord. Un énorme signe, Flavien Steinmann. Toi qui es ashkénaze, tu devrais savoir que chez vous, il n'y a pas ce problème. Puisque les religieux orthodoxes, entre eux, font ce qu'ils ont à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben on fait ce qu'on a à faire. Hein. Voilà, ça on peut pas vous l'enlever, les ashkénazes. Alors, je suis un peu la voix du chat. Il y a eu une question dans le chat par Artiberti. La boîte du boy. Ah non, par Artiberti. La question était quid du libre arbitre? Mais tu peux lui dire de rester à Genève et puis voilà, celui-là. Hein. On lui souhaite le meilleur. Qu'il aille parler à Calvin sur le libre arbitre. Voilà ce qu'il va faire. Avec sa chaise de Calvin, là. Alors, du coup, je suis désolé, hein, c'est un peu triste, mais il y a plusieurs personnes qui se sont dit dans le chat. Ça me rend triste, ça me déprime ce que j'entends. T'as rien à leur répondre. Parce que moi, ça m'affecte beaucoup d'avoir des gens qui, du coup, à cause de moi, me disent ce genre de choses. C'est pas à cause de toi. Je pense que Joachim, si on lit entre les lignes, c'est bon signe que ça nous rende triste, ce discours-là. C'est comme une flamme qui se réveille. Sinon, ça ferait rien. On ne tousserait que sang. C'est ça. Moi, attends, je donne le message le plus porteur d'espoir, là, ce soir. Hein. Je suis en train de dire qu'il y a moyen de contrecarrer le mal du siècle. Non, le mal des 5 derniers siècles, qui est la crise du sens. Qu'est-ce que je peux faire de plus réconfortant? Eh ben, écoute, moi, je ne suis que le porte-parole de mes congénères dans le chat. Rien de plus. Non, mais attends, le chat ne représente rien. Il y a combien d'auditeurs, là, tout de suite? On est 5630. 5000, non, c'est pas possible. Divisé par 10. On est à voilà, 560 et quelques. Eh ben, la majorité, je suis sûr, a été réconfortée par le message ce soir. Eh ben, il faudrait un sondage pour le savoir. Il faudra un sondage. Le sondage ne sera que quantité. C'est le con. Joachim, j'ai une question concernant le New Age. Dis-moi tout. Moi, j'adore le New Age personnellement. Bien sûr. Enfin, New Age et tout ce que tu as affilié à des, on va dire, des croyances alternatives qui nous éloignent en cooptant un petit peu les gens en perdition ou autre, hein, suivant son interprétation. Est-ce que tu penses que la fiction, de manière générale, peut aujourd'hui, dans l'utilisation qui en est faite, notamment par les systèmes, les gros systèmes capitalistes, est-ce que tu penses que la fiction est une nouvelle forme de New Age ou de choses comme ça, de choses qui te perdent? Non, 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 non. Parce que moi, tu vois, je ne suis pas du tout d'accord avec ce... Comment s'appelle ce psychologue-là? Canadien, s'il vous plaît, canadien. Oula. Canadien, qu'on traite de sexiste ou je ne sais pas quoi, là. De manière absurde, d'ailleurs. Jordan Peterson. Ah, pas du tout. Jordan Peterson qui explique que voilà, les Marvel c'est le nouveau Zeus, c'est... à un moment donné l'humanité elle va toujours distinguer ce qu'elle croit vraiment de la fiction. Tu vas pas sortir de Marvel en te disant je suis inspiré religieusement par le Marvel parce que je ne souscris pas corps et âme. Là, je ne suis pas d'accord, mais ça demanderait à développer. Je veux te laisser vraiment, vraiment finir et je ne veux pas vraiment aller sur ce sujet-là. Ah bah pour moi, il y a un truc très clair. C'est est-ce que quelqu'un aujourd'hui, autrement qu'un affecté psychiatrique, peut dire « je vais mourir pour l'honneur de Thanos » Non, c'est pas ça. C'est que de la même manière... Là, que t'es battu, disais, Fabien. Hein. Pour moi, je pense que vu les racines de ces choses-là, notamment les racines de la pop culture, il y a forcément une part de grenadine là-dedans. Forcément. Ah mais bien sûr, mais attends Flavien, là tu dis une chose évidente, puisque tu connais bien la thèse, on raconte la même histoire depuis 5000 ans. Oui mais il n'y a que la surface, il n'y a que l'emballage. Star Wars, Gilgamesh et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est la stimulation d'un archétype. Ça oui. N'est pas en vérité la stimulation du fond de notre fond. Et c'est pour ça que René Girard est un auteur passionnant. C'est qu'il explique qu'en fait, toutes
Du coup, pour reprendre la vocable de tout à l'heure, mais c'est pas celui de René Girard, toutes les formes dégénérées de religion polythéiste ont les mêmes histoires fondamentalement. C'est de l'héroïsme, c'est du sacrifice. Ça touche une part de notre humanité. Mais il y a une religion qui... Enfin, on va dire un groupe de religions. Je vais mettre les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui n'ont pas du tout les mêmes codes. Tu as lu la Bible? Alors, j'ai lu une vraie, vraie bonne partie de la Bible, pour de vrai. Mais tu as vu la perfidie, l'humanité, la bassesse de certains des grands patriarches qui sont des maîtres, des prophètes? Ce sont quand des personnages à la dramaturgie parfaitement ciselés, effectivement. Mais ils font des choses ignobles et ils s'en rendent compte. Il y en a qui se repentent. Tu as Jonas, Dieu vient voir Jonas. Il lui dit, va voir Ninive, dis-leur de se repentir. Jonas s'en va en courant. Parce qu'il ne veut pas que Ninive se repente. Tout à fait. Il s'en va en courant dans un bateau. Et là, il se dit, je vais échapper à Dieu. Il se dit, mais en fait, je ne peux pas échapper à Dieu. Il se fait manger par une baleine. Et du coup, il demande pardon. Et du coup, il fait ce que Dieu lui dit, mais il n'est pas content de le faire. Et à la fin, il dit à Dieu, j'avais pas envie de le faire, en fait. Ton histoire, il ne mérite pas ces gens. Toutes les histoires de la Bible, non. Il y a tellement une dose de non-héroïsme, de réalité humaine brute, que tu comprends que tu n'as pas affaire à une construction d'archétypes. C'est ça la différence. Oui, mais ils sont inclus dedans. Il y a forcément des archétypes là-dedans, même si je te suis sur la question super-héroïque. Mais c'est pour ça que j'étendais ma question à la fiction de manière générale. Eh bien, pour moi, la fiction sert une autre fonction que la religion, mais une toute autre. La fiction, pour moi, c'est la catharsis. C'est Aristote. La catharsis, pour redéfinir, c'est la purification des passions par le fait de les vivre par proxy, par substitution. Je donne un exemple typique, Olivier. Oui, dis-moi. Tu sois, je sais pas, tu es un homme marié, tu as 4 enfants, ok? Ouais. Et puis t'es là, t'es marié depuis 20 ans, t'es un peu ennuyé, tout ça, et tu vas avoir un super film avec Christian Clavier, j'en sais rien. Et Christian Clavier, dans le film, il trompe sa femme, et puis il est content, et en fait, tout lui tombe dessus, et à la fin, il pleure, il veut retrouver sa femme, puis il retrouve sa femme, il est content. Oui, une comédie française assez lambda, quoi. Voilà, ben tu as vécu par procuration. Non, parce qu'une comédie française, elle glorifierait l'adultère, du coup. Mais tu as vécu par procuration une expérience qui t'a donné un enseignement sans que tu aies à le vivre vraiment. C'est la catharsis. Et du coup, tu peux purifier tes haines, tu peux purifier tes tristesses, tu peux purifier tes passions, tes désirs. Et ben, le but de la fiction, c'est ça. Et de voir quelqu'un qui terrasse des gens, qui est puissant, quand nous, on n'est pas puissant dans la vie ou que sais-je, c'est de la catharsis. Pour moi, c'est ça. La fonction de la fiction, là où la religion n'a pas cette fonction. Et quelle est la différence? Je vais vraiment essayer de rester au niveau le plus bas, encore une fois. Quelle serait la différence entre un des enseignements, par exemple, de la Bible, où le personnage n'est pas parfait, loin de là, il paye pour ses faiblesses, ou au contraire, il apprend des choses pour ses faiblesses, ou il se relève, ou au contraire, tout ce que tu veux. Quelle est la différence avec une fiction où l'ambiguïté morale du héros le fait vivre exactement le même genre d'étape? Eh bien, la différence, elle est double. Premièrement, c'est que les gens, je prends une distance du coup, qui lisent la Bible, ne la prennent pas pour une fiction, s'ils y croient. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça change tout à fait. C'est vrai que ça change tout, c'est vrai. Ça change absolument tout. Et deuxièmement, c'est que tu comprends, si tu fais une étude quand même sérieuse du corpus biblique, ou même du Coran, je mets ça dans le même sac, l'héroïsme n'est pas un but. On comprend qu'en fait, il y a un principe suprême qui régit tout, et qu'il y a des gens en dessous qui galèrent, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, qui vivent des choses atroces, et qui se rebellent contre ce principe, parfois des manières les plus lâches possibles, et qui n'en grandissent parfois jamais. Mais c'est quand même une ode à la vertu. Mais c'est une ode à la vertu. Mais attends, tu lis l'Ancien Testament, Salomon, blasphème terrible pour les musulmans d'ailleurs, puisqu'ils considèrent que c'est un saint jusqu'à la fin de sa vie. Salomon, à la fin de sa vie, lui qui naît au sommet, c'est l'enfant du roi David de Bethsabée. Salomon qui naît au summum de la vertu et de la sagesse, meurt dans un état déplorable de quasi, je ne vais pas dire athéisme, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Il meurt avec 7000 femmes, je ne sais pas combien. Il vénère des dieux païens pour faire plaisir aux femmes.
C'est une catastrophe, cette histoire. Il n'y a pas de rédemption pour lui à la fin. Et c'est un prophète, c'est un patriarche, c'est le grand roi Salomon. Et pour comprendre tout ça, il faut comprendre tout le corpus et tout. Il n'y a pas d'héroïsme. Le roi David. Le roi David. Tu pourrais me dire, c'est une figure de shonen. Le mec, il est abandonné. Il vit dans le désert. Et puis d'un coup, il devient roi d'Israël. Et là, il Un voit peu un Goliath. isekai version antique, c'est parfait. Voilà, il voit Goliath. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fronde. Il balance sur la... Il dit quoi? Un non circoncis va faire peur au peuple d'Israël? Il balance la fronde, il prend le glaive de Goliath, il lui coupe la tête. Mais il faudrait que l'histoire s'arrête là ou qu'il monte après et qu'il devienne Super David, SSJ3. Sauf qu'en fait, l'histoire de David après, c'est quoi? Faut-il parler de l'épisode avec Betsabée? Faut-il parler de l'épisode d'Avodazara? Faut-il parler de l'épisode... Enfin, toute l'histoire est une histoire de la transcendance dans l'humilité. Et c'est ça la différence avec les autres religions fondamentalement. Et c'est ça qui fait que le principe civilisationnel a été tout particulier. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, dans les faits, Flavien, Oui. même si on est purement matérialiste, les religions abrahamiques, c'est quasiment toute l'humanité aujourd'hui. Tu donc réduis l'humanité à ces 3000 dernières années. Ah, je réduis absolument. L'humanité à ces 3000 dernières années, dans la OK. mesure où il n'y a jamais eu autant d'humains sur Terre, et qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si c'est une question de structure cérébrale, si c'est une question d'universalité des histoires, mais il y a la majorité de l'humanité qui a été conquise par ce qui a été issu de la progéniture d'Abraham. Ça n'est pas rien quand même comme constat, même d'un point de vue strictement matériel. Il y a quelque chose qui se passe avec ce livre, tu ne trouves pas? Eh bien, je peux te rétorquer que si sur le diagnostic du déclin, par exemple, moral, on va partir sur de la morale, par rapport à la crise de sens, qui fait qu'il y a, en gros, pour résumer, Du l'humanité est sens. déprimée, c'est la crise du sens, ou de sens, crise du sens, qui fait que l'humanité est déprimée, pour résumer, si on te suit du fait qu'il n'y ait plus de dogme, qu'on ne suive plus ces choses-là, et qui a rendu l'humanité déprimée, en revanche, en termes d'expansion civilisationnelle, la révolution industrielle, la venue de la séparation de l'Église et de l'État, entre autres, dans certains pays, toutes ces choses-là ont amené à une expansion qui, si on est matérialiste, on n'a jamais été aussi fort en tant qu'humanité. Eh bien, c'est tout le problème, en fait. Et j'ai envie de te répondre par le Zoar. Alors, je voulais juste ajouter une précision à ça. Bien sûr. J'ai l'impression que pour toi, j'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe, la qualité dont tu parles peut être analysée, peut être goûtée à l'aune de ce que ça, de ce que la civilisation à un instant T a produit de meilleur. Et qu'aujourd'hui, on ne retrouve absolument rien qui soit produit au niveau de ce qui était par exemple produit au Moyen Âge, comme tu l'as défini. Mais ça, c'est pour la nourriture, on va dire, de l'humanité, pour que l'humain soit nourri. Est-ce que tu penses pas qu'il y avait tout de même énormément, une énorme partie de la population qui, pendant ces périodes, notamment le Moyen Âge, était complètement malheureuse et très déprimée et vivait dans le danger? Mais je vais te répondre sans sortir de ma logique interne. Et j'insiste sur ce point. L'humanité est toujours malheureuse. Je pense que c'est une condition de la vie terrestre et qu'aujourd'hui nous avons substitué les mots physiques. Nous les avons du coup substitués, enfin, nous les avons remplacés par les mots de l'esprit, puisque nous avons un confort matériel. Je pense que c'est le lot de l'être humain de souffrir. Donc je pense que les gens au Moyen Âge étaient très malheureux, qu'ils avaient des souffrances terribles. Tu meurs pour une fièvre, c'est des catastrophes, tu te fais envahir le village, enfin, des choses terribles qui se passent. Donc ça, c'est le premier point sur lequel j'insiste. L'humanité doit traverser des malheurs. Encore une fois, c'est une vision, bon, je ne vois pas comment on pourrait y échapper. Tu vois, tout va bien matériellement, tout va mal psychiquement. Bref. Le deuxième point, c'est que tu as parlé de révolution industrielle. L'humanité est montée très haut. Mais dans ma logique interne, celle que j'utilise, si on part du principe que la finitude, je suis bien content d'avoir un confort matériel, attention, hein, je prends une distance de ce que je dis. Mais si la finitude est un mal et l'éternité un bien,
Qu'est-ce qui te rapproche le plus de la finitude, le confort matériel ou l'inconfort matériel? Et là, on en revient à d'autres choses que tu as développées dans des lives, qui était le rapport à... Par ex... c'est... Quel est le rapport à la douleur dans ta définition de la chose? Mais c'est le rapport à la souffrance dont je parlais, c'est que... Là, on revient en religion abrahamique. Et pour ne pas parler du coup du principal concerné, Abraham, c'est une vie assez difficile. On parle de tous les épisodes en Égypte, si ça, c'est un témoin de Sodome et Gomorre. C'est une vie extrêmement difficile. Le sens de la souffrance, en fait, c'est Pyramid Head de Silent Hill 2. C'est un point commun aux trois religions, même si en vérité, bon, judaïsme et islam ont un petit point de différence avec le christianisme, c'est que dans le judaïsme et dans l'islam, la souffrance est une réparation du péché, ou des points d'avance, si tu veux. Là où dans le christianisme, la souffrance n'est qu'une discipline, puisque les chrétiens partent d'un principe, c'est que tout a été payé, en termes de dette, par la crucifixion. Petite subtilité, mais peu importe. Dans tous les cas, la souffrance a un sens. Et cette souffrance, si on part du point de vue de la logique interne que j'ai exposée, si nous sommes finitude et infinitude, je dirais plutôt éternité, le bien-être spirituel n'est pas le bien-être du corps, et le bien-être du corps n'est pas le bien-être spirituel, même si le bien du corps peut ne pas être incompatible avec le bien spirituel. Tu me suis jusque-là? Parfait. Voilà. Par contre, l'exaltation du bien-être du corps devient un culte de la finitude lorsqu'il devient une finalité. C'est-à-dire, si j'investis dans mon plaisir corporel comme une finalité, alors je deviens finitude, puisque ma quête principale devient la jouissance physique. Manger, les femmes, ce que tu veux. Par contre, je dis les femmes en dehors du cadre religieux, du coup tu comprends bien la logique juridique. Oui, tout à fait. Et par contre, ça donne toute l'histoire des religions. Quel est l'acte religieux suprême que tu vois chez tous les prophètes ou tout ce qui s'ensuit, Flavien Steinmann, en termes de privation, c'est le jeûne. Tout à fait. Qu'est-ce que le jeûne? C'est littéralement ton besoin humain premier auquel tu dis tais-toi, l'espace d'un instant. Les musulmans jeûnent pendant un mois, les juifs jeûnent tout le temps, dès qu'ils ont des occasions. Les chrétiens sont censés jeûner 40 jours pendant le carême. Le sens de la souffrance, c'est de désinvestir la finitude. Donc une société qui a réussi à aboutir sur un confort matériel tel où, je le dis toujours, j'adore la phrase du pasteur dans les Simpsons, où le micro-ondes chauffe la pizza, n'est-ce pas en fait la pire des choses possibles pour l'histoire de l'humanité? De ce point de vue-là, c'est se tromper de direction pour le bonheur, pour toi. Mais si tu prends vraiment la logique cyclique, segmentaire de l'humanité pour les religions abrahamiques, c'est une chute jusqu'à la fin des fins. Et si on part d'un principe, c'est qu'on est tombé tellement bas qu'on a le confort matériel, tout est dit. Il n'y a pas eu de plus grande malédiction, en fait, puisque l'homme du Moyen-Âge n'a pas le temps d'investir pleinement dans sa finitude. Puisque sa finitude n'est qu'une souffrance perpétuelle, il est obligé de se tourner vers l'éternité. Nous ne sommes plus obligés de nous tourner vers l'éternité, ce qui fait que nous avons un confort matériel et un inconfort mental total, qui est le symptôme même de la crise du sens. C'est-à-dire que nous avons tout, je dis nous, je ne me mets pas dans le lot, hein. Nous avons tout, et nous sommes extrêmement malheureux. C'est pourquoi dans Message d'Internet 2, je crois, ou le zapping de la fin des temps, je dis, c'est un fait. L'affamé somalien, qui mérite toute empathie et charité d'ailleurs, et notre aide aussi si on peut donner à des associations qui peuvent nourrir les gens qui ont faim, connaît bien moins de tourments intérieurs que le cadre parisien qui vit une espèce d'existence infiniment misérable. Je dis pas je mets pas tous les cadres parisiens dans l'eau, puisque on va pas citer des noms. Hein. J'en ai été un peu et je suis très heureux, mais tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'était mon raisonnement. Eh bien, merci pour cette réponse. J'ai merci développé. Beaucoup, Joachim.
On a un petit problème quand même en termes de timing, puisqu'on est à 2h05 de live et j'en suis seulement à la première question. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à... Ah oui, bah c'est... Mais du coup, c'est compliqué de faire les autres questions. 2h05. J'ai une question quand même que tout le chat se pose. Est-ce qu'on pourrait parler de la politique intérieure? Pourquoi c'est un tabou? C'est ridicule. Tu parles du monde entier. Pourquoi tu parles pas de la France? Alors que ça nous concerne, ça nous intéresse tous. Attends, mais on passe de 2 heures Mais de oui, on... ah, mais oui, je suis métatique. désolé, mais c'est l'interview, je suis obligé de combler, moi. Il faut que je fasse mon planning. Moi, j'ai des gens derrière. Je suis payé. Hein. Mais la politique intérieure. Je peux te dire un avis sur la politique intérieure? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vu. Et comment te dire? Non, pas de politique Ah intérieure. bah non, pas à Ah moi. ben C'est voilà, ben l'émission voilà. interview à New York. J'ai loué le studio, ça m'a coûté une fortune. Non, mais pas, écoute, la politique intérieure. Je peux dire un truc peut-être sur la politique intérieure française. Ah, ou alors tu nous dis pourquoi pas de politique intérieure. Mais je préférais que tu nous parles de politique intérieure, vas-y. Moi, je parle pas de politique intérieure parce que déjà, j'avais quand même des activités qui m'empêchaient de parler de politique intérieure. Et deuxièmement, ce qui n'est plus le cas. Et deuxièmement, la politique intérieure, c'est un sujet bas. Voilà, low politics, comme je dis toujours. Tout ce que je peux dire, c'est que vous tous qui fantasmez, sachez que ces gens ne sont même pas à la hauteur des fantasmes. Voilà, et je les salue, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Alors là, tu te mouilles pour le Et coup. voilà. Non, je dis rien d'autre. Je n'ai pas de nom, je dis rien du tout. Tout cela n'a jamais existé. Écoute, on parle de politique. Du coup, j'enchaîne les questions, il n'y a pas de souci. C'est bon, Joachim? Ouais, vas-y, c'est parti. Mais 2 heures d'émission, c'est passé vite. J'ai pas vu le temps passer, Oui, moi. mais ça, c'est parce que Flavien, il est comme Flavien, il te met bien, tu vois. Il te met sur un petit canapé, sur un nuage, et il t'envoie, il te fait le flow. Tu vois ce que je veux dire? Il est filmé flow de Naughty by Nature. C'est exactement, moi j'adore Flavien. Alors du coup, pas de politique intérieure, un peu de politique extérieure. Pourquoi cette passion? Alors que là, tu viens de nous parler de théologie, voire de philosophie, d'histoire, etc. Mais du coup, comment coïncider ça et pourquoi cette passion pour la géopolitique et l'étude contemporaine? L'étude Écoute, contemporaine. moi c'est très simple en fait. T'as vu que la question est bonne. C'est-à-dire, tu me demandes, tu es là, tu nies toute la modernité. J'ai Ben l'impression que tu voilà, sors du d'un temps, mais côté, tu nous parles vraiment de se retourner aux racines de la civilisation et la modernité, c'est nul. Et de l'autre côté, tu es un expert et tu t'intéresses, tu passes des heures par jour à t'intéresser justement à ce qui se passe chaque jour. Moi, j'ai jamais dit la modernité, c'est nul. J'ai dit les effets de la modernité sont catastrophiques et il faut en sortir. Mais je reste un homme de mon temps. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme de mon temps, je dois comprendre ce qui se passe en fait autour de moi. Et mon domaine de compétence principale, c'est l'analyse stratégique. C'est l'analyse géostratégique et géopolitique. Et je dois comprendre. Et c'est une passion de comprendre, puisque comprendre son temps, c'est fondamental. Ça permet non pas d'anticiper l'avenir, mais d'anticiper à peu près ce qui est en train de se produire. Ça permet aussi de comprendre, enfin, c'est permis par la compréhension du passé. Je reste un passionné d'histoire aussi. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas échapper à son temps. Sinon, on fait comme Maïmonide disait, on va dans le désert, on sort du temps, on devient un moine, je ne sais quoi, je ne suis pas un moine, je suis impliqué dans le monde contemporain. J'agis dans le monde contemporain autant que faire se peut, sinon je ne ferai pas cette émission. Et de ce fait, je dois comprendre le monde contemporain et mon domaine d'analyse et l'analyse géopolitique. C'est une passion parce que les enjeux de l'histoire se jouent ici. Ils opèrent ici, à ce niveau-là, le niveau international. C'est là que se joue l'histoire, la grande histoire. C'est là que se jouent les grands mouvements civilisationnels. C'est là que se jouent les grands mouvements militaires. C'est là que se jouent les grands mouvements stratégiques et du coup idéologiques qui iront avec. Je rappelle que la Russie est une puissance orthodoxe, authentiquement chrétienne. Je rappelle que les États-Unis sont une puissance authentiquement matérialiste et en même temps un peu chrétienne et protestante. Tout cela va aboutir à quelque chose. Je rappelle que la Chine prend beaucoup de pouvoir et que ça va jouer. Et l'analyse de fond est très importante. Voilà pourquoi je suis passionné de géopolitique et c'est un domaine de compétence.
Et potentiellement, si le temps le permet, il y aura des émissions géopolitiques, il y aura des suites aux émissions qui ont déjà eu lieu. Voilà. Ah non, ah bah justement, bah attends, tu me permets d'enchaîner parce que t'as lâché le mot, la Russie. Il me semble quand même que toi qui aimes la géopolitique, la Russie est un peu en ce moment sur le devant des médias. Voilà. Il y a eu trois émissions qui ont été excellentes, du coup, mais là, ça remonte à l'année dernière, il me semble, la dernière. Et même il y a 2-3 ans pour les premières. Ah non, c'était toute l'année. Les trois? Ouais, Sérieux, je au mets à début jour d'année, eh encore ben, les. il se passe tellement de choses dans le monde, tout va tellement si vite qu'on a l'impression que déjà c'est déjà de l'Antiquité. C'est Et du vrai, coup, la c'est vrai. Russie, il me semble qu'il y a des choses à dire. Elles sont où les émissions? En fait, moi, il faut savoir que j'ai fait la première émission sur la Russie, qui était l'émission dont j'étais l'une des plus fières d'ailleurs. L'une qui m'a rendu le plus fier parce que j'ai fait la géopolitique fondamentale russe. Et je sais que ça a éclairé beaucoup de gens, je suis très honoré. Mais moi, en fait, dans cette émission, à la fin de l'émission, j'ai dit, on était en janvier, hein, j'ai dit, la Russie n'envahira rien du tout, il se passe rien. Tu te souviens? Du coup, c'est petit fail, non? Mais petit fail, à un moment donné, quand tu vois que les services de renseignement français disaient la même chose, en fait, dans leur secteur, que tous les services ont dit la même chose et qu'il n'y a que les États-Unis qui ont donné l'alerte, mais que plus personne ne les croyait parce qu'on savait très bien qu'ils voulaient nuire à la Russie, tout le monde s'est fait avoir. Et c'était l'objet de ma deuxième émission, troisième émission. Après ça, c'était de la prospective. Ça n'empêche pas qu'il y ait une analyse de la géopolitique russe fondamentale. Mais le fondement de l'attaque russe, c'était l'effet de surprise. Et il n'y a que les États-Unis qui auraient pu, en fait, se croire eux-mêmes. Parce qu'ils savent quand ils mentent et quand ils mentent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je te rappelle que Zelensky lui-même a dit qu'il ne se passait rien avant qu'il se passe quelque chose. Qu'il a été dupé par le truc russe. Et donc là où je veux en venir, c'est que ma conclusion de ces trois émissions, c'est que le brouillard de guerre fait qu'on ne peut rien dire de ce qui se passe. Et qu'on ne pourra rien dire de ce qui se passe, puisque nous sommes en guerre concrètement. Et quand je dis nous, j'insiste dessus, puisque nous sommes en guerre concrètement aujourd'hui. Là, on mène la guerre de l'information et la guerre par proxy. Les États-Unis mènent une guerre par proxy un peu plus violente et une guerre par procuration, dont on est le proxy d'ailleurs, in fine économique. Le cours de l'euro, j'en ai parlé lors de la troisième émission. Si on arrive à un point où le cours de l'euro chute en dessous du franc suisse et du dollar, on est très 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 mal. Ça fait 2 mois que c'est arrivé. Donc il y a une guerre de l'information catastrophique, on ne peut rien savoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme émission? Que je dise blablabla, il se passe ça, BFM TV a dit ça, la NBC a dit ça, la presse russe a dit ça. Je ne peux trier aucune information qualitative, je ne ferai donc pas d'émission. Je peux faire sur ce que je sais parce qu'il s'en passe des choses qui sont avérées. Et on peut surtout parler de l'enlisement, qui n'en est peut-être pas un. Et peut-être qu'en fait, on assiste juste à la stratégie russe, qui était en fait une stratégie de long terme. Et on ne peut rien dire. Là, on ne peut faire que de la prospective, parce que l'analyse du présent n'amène que peu d'éléments. Et donc, ces émissions ne serviront à rien. Les trois premières ont servi à beaucoup de choses, je pense. Et notamment la première sur la géopolitique fondamentale russe. Mais le reste, non. Très bien. Bah écoute, du coup, puisque tu ne peux pas parler du conflit russe, quel est l'avenir de ta présence sur Internet? Ma présence sur Internet, pourquoi tu demandes ça du coup? C'est-à-dire? Mais parce que t'es là, t'es pas là, et là ce soir t'es là, et on voit que t'as des choses à dire, on voit qu'il y a encore des sujets qui te tiennent à cœur, et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'une, tu ne fais que monter chaque jour, comme tout le monde, et de deux, l'information est faite pour être partagée, la connaissance. Ah, tu m'as Voilà. coincé dialectiquement là. Oh, tu sais, 20 ans d'émission, ça, je commence à avoir l'habitude. L'électron libre, vous êtes deux électrons libres ce soir, c'est contre moi. Écoutez, moi je prends le challenge. Fondamentalement, tu as raison. Et donc, si le temps le permet, je continuerai à partager. C'est juste que je partage la connaissance par d'autres moyens, tu le sais bien. Bien sûr, ah ben oui. Et voilà. Et il y aura des émissions, il va se passer des choses. Et il y a quand même l'analyse Bioshock qui va peut-être débarquer parce Alors que. là, Il y a une équipe qui est constituée. je dis bravo. Merci, merci. Mais elle Ça va fait arriver, 15 elle va ans que arriver. j'attends l'analyse Bioshock. Elle va arriver. Et puis, de toute façon, vous avez quand même beaucoup de contenu sur la chaîne. Vous avez DG qui fait des trucs de dingue. Vous avez Olivier qui lance quand même le late night. Olivier, on a combien d'auditeurs là Ça n'arrête actuellement plus, on là? est à 650, ça n'arrête plus. Ah, mais ça fait que monter en plus, mais Mais c'est oui, mais énorme. on passionne les gens, c'est énorme.
Non, mais c'est parce que tu vois, mine de rien, c'est énorme. Maintenant, il y a un setup et tout. Mais si les gens aiment bien, mais tant mieux. Mais voilà, on monte. Mais à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Et puis, on prend le temps qu'il faut. Et puis, on a beaucoup d'activités. Mais tu vois, une émission comme ça, c'est important, c'est crucial. Crucial que quelqu'un tape du poing sur la table et remette les choses à la bonne place. En toute modestie, parce que c'est le but. C'est qu'on soit humble. Et puis, tu sais, on est là, on propose de la doctrine, mais on se trompe potentiellement. Et c'est comme ça, on avance, c'est bien sûr. Voilà, alors je sais pas si tu as d'autres questions, mais cette émission, quand même, effectivement, on a fait 2 heures sur la question numéro 1. Je suis désolé, c'était peut-être pas prévu, hein. Écoute-moi, à partir du moment où je la confirme qu'on a l'analyse BioShock qui arrive, eh, c'est bon, j'ai gagné ma soirée. Elle arrive, ouais, elle arrive un jour. Hein. Arrive un jour, ça permettra à Flavien d'avoir l'analyse BioShock parce qu'il n'a jamais fait BioShock. C'est dommage parce que BioShock est un jeu qui critique l'objectivisme et Mais qu'il t'es une fait bien. plante. C'est de la calomnie, Olivier. Je suis désolé, moi, Excuse-moi, parce je que voulais je te n'ai faire pas vu réagir, c'est mon l'analyse métier. de T'as pas BioShock. réagi. Et t'étais Mais où? tu voulais que je réagisse quoi? Je suis Mais super hypé, moi, insulte-moi! d'avoir l'analyse Insulte. BioShock. Ah, voilà. Non, mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est super BioShock, on connaît tous par cœur BioShock. Moi, je veux savoir ce que Joachim il a à dire sur BioShock, sur Ayn Rand, etc. Mais moi, Est-ce que Ayn Rand, Ayn je sais Rand, c'est qu'elle. Atlas Fontaine? Ayn Rand me touche beaucoup, moi, si tu veux. Atlas Fontaine, c'était un pseudonyme. Oui, d'accord. C'était un pseudonyme que j'avais bien vu, c'est à l'époque, c'est vrai. Ça vient de BioShock, hein. C'est Atlas et Fontaine, tu sais. Du coup, qui vient un peu d'Ayn Rand. Alors oui, Atlas Shrugged. Et The Fountainhead. Et The Fontaine, mais alors là, il en a de la culture électron libre. Hein. Ah ben dès qu'on touche à Disney, moi, tu sais. Pourquoi Disney? Non, c'était une blague parce que le dernier film qui traitait de la question de l'objectivisme à être sorti au cinéma, c'était un gros film Disney qui s'appelle Tomorrowland. Mais c'est hors sujet. Ok, ben il n'y a pas de problème. Moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on a quand même bien développé l'Homo Novus. J'ai exposé un point de vue métaphysique qui est quelque peu subversif, je pense, vu l'époque. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Olivier, Late Night, tu me dis Moi, que j'avais bon, une question bonus, Olivier. Est-ce bah que tu me voilà, permets une petite hey, question bonus un petit l'électron peu plus libre. légère Je t'en prie, voilà, pour avoir vas-y. l'avis de Joachim? On a Et tu as Joachim face dit. à nous. C'est le moment de se lâcher. Vas-y, Flavien. C'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. Écoute, viendra le temps sur la chaîne où il faudra parler de la série du Seigneur des Anneaux, Rings of Power, qui est sortie, qui est terminée depuis avant-hier, et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle. Moi, c'était pas du tout une question critique, là, que j'allais poser. Je pense néanmoins que l'animosité qu'a pu produire la série, pour moi, vient directement de sa source, qui est Tolkien. Tolkien, tu le sais, Joachim, était un homme extrêmement croyant, qui a recréé lui-même toute une cosmogonie, qui reprenait tous les motifs principaux, et qui est, dans l'époque moderne, une des cosmogonies les plus connues, obsessives, etc. La série, qui reprend de ces motifs-là, le fait avec un point de vue qui est, comment le dire, sans tourner autour du pot, extrêmement sincère. Il n'y a aucune forme d'humour, il n'y a aucune forme de cynisme, il n'y a aucune forme de distance. C'est une série très très premier degré. Mais comme c'est très surprenant à voir, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus dans l'ère de la fiction. Comment tu expliques, parce que le Rings of Power n'est pas la seule série ou œuvre de fiction à avoir connu ça ces dernières années, comment tu expliques le fait que le grand public, de manière assez majoritaire, soit repoussé par les œuvres complètement premier degré, pour le dire poliment? C'est-à-dire, s'il te plaît. Il faut C'est qu'il une y ait de drôle la de question, distance. ça, hein. Et pourquoi le public aujourd'hui est beaucoup plus sensible aux histoires qui contiennent de la distance? Est-ce que ça n'aurait pas un lien avec notre discussion de ce soir, du fait que les gens savent pertinemment qu'une fiction est une fiction, et donc il faut y injecter de la distance comme un effet, un effet, comment dire, comme les globules blancs, tu vois, du corps, qui veulent à tout prix signifier de manière inconsciente au monde que tout ça c'est faux. Pour pas qu'on confonde avec des vrais ancrages dogmatiques. Moi, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose Tu veux parce dire qu'on est que. dans une phase de post-fiction et il faut de l'ironie aujourd'hui, on est obligé de se moquer, quoi. Et ben, je me demande si Joachim peut lier ça avec certaines discussions qu'on a eues ce soir. Parce qu'effectivement, on parle de la post-fiction.
Je ne sais pas si je pourrais le lier, mais pour moi, tu soulèves quelque chose d'intéressant qui mérite d'être développé, en tout cas. Ben oui, parce que... Fin de la réponse. Pour moi, ça mérite d'être développé. Et là, je ne peux pas le faire. Ah, mais pourquoi pas un de ces jours? Oui, il faudrait que je comprenne un peu plus l'histoire, là. Mais c'est intéressant, c'est... C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Moi, j'ai développé ce sujet d'une autre manière. Car ce qu'on constate en Occident, plutôt européen d'ailleurs, puisque du coup, aux États-Unis, il y a encore un culte de l'héroïsme, c'est que la production culturelle a en aversion les bonnes valeurs. C'est la fidélité dans le mariage, le sacrifice de soi, mais bien amené. Et je comparais ça avec la production, ne serait-ce qu'audiovisuelle japonaise, où la moindre série doit amener du bon sens, de la bonne morale. Et je recite les exemples, fidélité dans le mariage, droiture, faut pas mentir. Le travail. Alors Joachim, à contrario, oui. J'ai l'impression que, en tout cas dans la culture japonaise, dans ce dont tu parles, c'est surtout qu'il y a un clivage entre des extrêmes. Qui est qu'effectivement, pour une grande majorité, il y a ce que tu décris, mais qu'à côté, au niveau du cinéma extrême et de subversion, ça va beaucoup plus loin et absolument pas dans un sens moraliste que le reste de la production mondiale. Alors, je suis bien d'accord, mais c'est justement parce qu'il y a une base qui est publique, on va dire, qui est saine, tout à fait. Que à côté, t'as Takashi Miike et Ichi the Killer qui se coupent la langue, etc. Tout à fait. Ichi the Killer, qui est un film quand même, je me suis dit. Un film de dégénéré. Mais c'est un film de malade, c'est pas un film de dégénéré. C'est un c'est film. Vrai. Mais il y a une telle énergie dans ce cinéma qu'on se dit. Je sais pas ce qu'on se dit, c'est comme le fameux film avec George Bush, hein, tu vois, duquel je parle. Ah ben grâce à toi, tout à fait, ouais. Ouais, ben voilà, mais prenez un autre exemple. Prenons. Qu'est-ce que je pourrais citer? J'avais le film en tête. On en a parlé, Flavien. Il me faut le titre. Mulholland Drive. Mais non, pas Mulholland Drive. C'est pas japonais. un film de dingue. Tokyo Fist. Tokyo, ah, magnifique. Tokyo extraordinaire film. Voilà. Bon, il y a des trucs de dingue, Tokyo Fist. Il y a des images bizarres. Mais c'est un film énorme. C'est un film qui porte des valeurs. Tout à fait, qui a des vraies valeurs et une vraie morale. Donc voilà, le cinéma extrême, ça reste quand même extrême. Moi, je ne connais pas assez les Japonais pour savoir ce qu'ils en font de ce cinéma. Qu'est-ce que le Kidam japonais fait de Ichi the Killer? Il va pas voir Ichi the Killer. Ichi the Killer, on est déjà dans des choses un tout petit peu plus mainstream, mais tu n'es pas sans savoir qu'au Japon, il se passe quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres pays, qui est que il y a tout un marché de la vidéo. Mais c'est pas juste un marché bas de gamme de la vidéo, c'est un marché qui représente... Enfin, la dichotomie entre cinéma et vidéo-cinéma est concrète là-bas. Et dans le vidéo-cinéma, tu peux trouver des courants très, 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 très nombreux de cinéma extrême qui vont tenter des choses idéologiquement, à gauche, à droite, sans jamais revenir in fine sur des valeurs, comme pourrait le faire Tsukamoto, que tu as cité avec Tokyo Fist, qui lui est un cinéaste extrême, mais qui est profondément humaniste, on va dire, au fond. Tout à fait. Bon, Tetsuo quand même. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais non, après, mais là... si dans Tetsuo, il tuerait la femme... Tout irait bien. Mais dans Tetsuo, à partir du moment où on garde la femme et qu'on devient un seigneur, je pense que ça va. Non, mais Tetsuo, c'est avant tout un homme qui devient enfer. Voilà. Intéressant. J'adorerais avoir ton analyse de Tetsuo. Tu devrais la promettre à l'avenir sur la chaîne. Alors, figure-toi que j'ai fait une projection de Tetsuo en secret. Wow. Je ne sais plus quand. Sur et j'ai fait l'analyse en direct. Non, non. Une projection chez moi. Hein. Et et je t'avais appelé, Flavien, tu n'as pas répondu pour venir. Ah bah, le jour il répondra, Flavien, de toute façon. Voilà. Et j'ai fait l'analyse de Tetsuo the Iron Man avec plusieurs personnes, dont je dirai le nom, puisqu'il y en a ici qui passent chez des chaînes de télévision. Et à la fin de l'analyse, j'ai quand même dit, bon, j'ai fait l'analyse, mais ça reste un film de malade quand même qui ne dit pas grand-chose. Voilà. Mais j'adore Tetsuo, c'est une imagerie. C'est japonais. Pour moi, quoi. Tetsuo, c'est. Non, mais Tetsuo, c'est japonais, je veux bien. Mais c'est vraiment la rage d'un homme. C'est furieux. C'est de la furie sur pellicule. C'est de la furie sur pellicule et c'est de l'art de faire ça, de capter ce truc-là.
Magnifique, on est quasiment sur de l'art plastique contemporain. Le mec, il se transforme en métal. Il veut que tout le monde soit en métal. C'est cet absurde comme concept. Le monde devienne métal. Mais il y a un film japonais, tu vois, parce que du coup, tu me lances, parce que moi, effectivement, je parlais des jolis dramas familiaux. Bien sûr, mais je suis d'accord sur ce constat-là, mais je veux dire que le clivage est très fort au Japon, quoi. Et tu connais ce film, parce que c'est des malades mentaux, en vérité, de faire un film comme ça, ça... Tu sais, c'est une fille, je crois que c'est Takashi Miike, mais il faudrait vérifier. C'est une fille, oui. Qui kidnappe des hommes et qui les torture. Ah, c'est Guinea Pig. Oui, c'est ça. Et elle a un homme sac. Ah non, je crois que tu parles d'audition. Pardon, tu parles d'audition. C'est pity, ça. Non, mais c'est audition et c'est bien de Miike. Eh ben, ok, je crois que c'est ça. Alors, c'est une fille qui, comme ça, elle séduit les hommes, elle les amène chez elle, elle les torture. Et il faut être malade pour prendre des films comme ça. Et je ne parle pas de la scène, parce qu'on parle du Japon. Il y a quand même une scène, je ne vais pas citer le mot, parce qu'avec le mot, me donne envie de vomir, mais qui, culturellement, ils autorisent une pratique, une branche de pratique complètement dégénérée au niveau manga, etc., avec des enfants, tu vois. Et c'est très grave, ça. Ah, ça, je sais que ça plaît pas à DG, hein, qu'on embrasse. Ah non, mais ça plaît à qui? C'est une catastrophe. C'est terrible. Et tu connais le même, hein, bon, je vais pas dire le titre, beaucoup dans quelque chose. C'est très grave, en fait, tout ça. Et la meuf, du coup, dans ce film, pour te dire, ce pays est quand même capable du pire. On parle d'un pays, on parle des tentacules. Mais en fait, chez Hokusai, t'as déjà des tableaux avec des tentacules. C'est une culture chez eux, parce qu'en fait, je vais pas me lancer dans cette analyse-là, vraiment, ce serait pas le moment, c'est pas le lieu. Ce sont des malades, au niveau de la production culturelle, ils ont pas de honte. Dans le film, la fille, elle a un mec, elle lui a coupé les bras, les yeux, le mec c'est juste un tube digestif. Eh oui. Et c'est son esclave, enfin, ça n'a pas de sens. Mais il reste les dramas. Il est sympa le mec, donc, ou ouais, il est dans une éternelle souffrance? Ou alors il prend bien et puis il discute? Non, il prend pas bien. Il prend pas bien du tout. Il est pas content, le mec. Il a de quoi se plaindre. Non, mais il pourrait s'habituer au bout d'un moment et dire bon, bah ok, je vais avec, quoi. Ouais, mais et comment il fait pour tourner les pages de sa Bible, du coup? Et ouais, il peut même pas la lire, la Bible. Il a plus de sens. C'est un tube digestif. Exactement. Il peut même pas, il peut prier. C'est des questions théologiques compliquées quand même. Après, c'est tellement restreint comme personnes qui sont concernées qu'on peut se permettre de pas les traiter, ces questions. Hein. Non mais moi, figurez-vous, j'étais comme ça, parce qu'on blablate, on blablate. Mais j'étais comme ça, et j'étais tombé sur un... Vous connaissez ce film absurde, la Human Centipede, là? Tout à fait. Et je regardais des extraits, je me disais, mais là, quand je regarde des trucs comme ça, c'est vraiment pour voir, en fait, jusqu'où un créateur peut tomber. Et puis là, je tombe sur cette scène de ce Japonais qui se met à genoux comme ça, il dit Dieu, et il parle au mec, tu sais, qui a fait l'Human Centipede. Tout à fait. Et il lui dit Dieu, j'ai péché. Et là, le mec, il s'enorgueille, il dit, mais je suis pas ton Dieu et tout. Et là, en fait, on comprend qu'il parle pas du tout au mec. Il se repent devant Dieu de ses péchés. Bien sûr. C'est énorme comme scène. Est-ce que tu connais l'histoire derrière Human Centipede? Pas du tout. Il y a une histoire derrière Human Centipede? Et tout à fait, une histoire de troll. C'est, comment dire, le créateur de Human Centipede est un type qui s'appelle Tom Six, et qui en fait n'est pas un cinéaste. C'est un artiste contemporain qui fait des happenings, qui vend ses peintures, qui fait des choses un peu extrêmes comme ça. Et Human Centipede, c'était comme un défi, un petit peu. C'est faire le film avec le pitch le plus dégueulasse. Mais tu vois bien que quand tu regardes le film, il est beaucoup moins extrême que ce que le titre ou le procédé qu'il y a derrière le film pourrait faire croire. C'est cynique. Ah, oui, ça reste un film d'horreur assez normal. Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est bas de gamme, hein, de toute façon. Oui, c'est un film de merde, je suis d'accord. Mais je voulais pas en arriver à ces termes-là. Mais après, mais le projet artistique, non. Il fait repentant. Et c'est beau, quand même. Et ben oui, il faut toujours un petit peu de repentance, même dans les moments les plus sombres. J'avais une question subsidiaire, Joachim, à ma question sur la série du Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas besoin d'avoir vu la série. Il n'y a que la repentance, Flavien. Il n'y a que la repentance. Alors, ma question subsidiaire. Tout ce que je t'ai décrit sur cette série et son accueil plus que glacial, on va dire, est vraiment beaucoup de colère. Et je pense que ça dépasse d'ailleurs les questions woke qui peuvent déchirer Internet aujourd'hui.
et on ne parlera pas de ça ce soir. Mais il faut savoir que les deux créateurs de la série Rings of Power sont des mormons, et des mormons assumés. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est marrant, ça, tiens. Du mormonisme? Du mormonisme, exactement. J'aimerais que tu abordes la question de ces dérivés-là. Alors déjà, le mormonisme est une religion. Voilà. C'est pas un petit groupuscule, c'est pas les Tout à fait. témoins de Géo quelque chose, c'est une religion. Tout à fait. Je dis ça parce qu'ils sont très importants aux États-Unis. Ils ont un État quand même entier qui s'appelle l'Utah, qui a la magnifique ville de Salt Lake City, qui est une ville que je côtoie pas mal en ce moment pour des raisons secrètes. Et les Mormons, ils ont une doctrine, ils ont une foi, et qui produit des effets. C'est-à-dire que c'est des gens sérieux, des travailleurs, c'est des polygames d'ailleurs, on oublie de le dire. Et le problème, c'est que le mormonisme ne résiste pas à un examen critique. Et je suis désolé pour les Mormons. Mais là, tu clashes les marrons, là. Non, mais parce que, comment dire, tu peux dire ça à des religions en général. Oui, ben, un examen critique, j'ouvre la Genèse, ça marche pas. Mais en fait, tu vas avoir les commentaires originaux de la Genèse. Enfin, tu comprends qu'il y a une tradition à 2000 ans d'histoire, il se passe quelque chose au niveau théologique. Le mormonisme ne résiste pas à un examen critique. Je ne vais pas me moquer de la révélation dans le chapeau, tout ça, parce que ça n'a pas de sens de se moquer de ça. Parce que les créateurs de South Park l'ont déjà fait. Et les créateurs de South Park l'ont déjà fait d'une manière un peu méprisante quand même. Ah, complètement, oui, c'était du blasphème total pour eux, je pense. Ben, je trouve que ça se fait pas autant la scientologie, évidemment que tu te moques, mais le mormonisme, c'est une religion, comme j'ai dit. Par Ouais, mais ils contre, ont livré une œuvre musicale magnifique. Donc je leur en veux pas, parce que techniquement, oui, leur musique est forte. Joseph Smith, le chef des mormons. Et en fait, il y a un article qui a tout dit sur la question. Je suis désolé, hein, mais c'est René Guénon qui l'a écrit. Et allez le voir, c'est tout. Mais ça, c'est... C'est lequel Oh là là. d'article? Ben en fait, il explique ce qu'est le mormonisme, d'où il vient et comment on en arrive à une religion qui dit que Dieu est un géant dans l'espace et tout ça. Ah, mais c'est pas un sujet, si tu veux. Voilà. Salt Lake City, c'est une très belle ville. Mais du coup, par rapport au Seigneur des Anneaux, tout là vient. Et ben, c'est des mormons, ben, les mormons sont des gens très bien. Donc rien à Les voir, aucun mormons. rapport entre les Mormons et le Seigneur des Anneaux. Je pense que ça joue dans la tonalité de la série et plus, qui plus est, je pense que ça joue dans l'accueil de la série. C'est un truc qui a un niveau extrêmement profond d'écriture, mais ça demanderait d'analyser une série que personne n'aime et qui ne crée que des engueulades. Donc excusez-moi pour le hors-sujet, on peut passer à autre chose. Mais Tolkien était catholique, c'est des mormons qui font la suite, ça marche pas, hein, excuse-moi. C'est comme Ouais, mais là, tu lances un autre sujet, Ah là. ouais, là c'est... On a ouvert quelque chose, là. C'est la dernière tentation du Christ Tout à fait. de Scorsese, qui en fait est l'adaptation d'un roman écrit par un grec qui est devenu athée. Et non, c'est un sujet d'autre. Bah écoutez, on va s'arrêter là, non? Ben, on va conclure, parce que moi, de toute façon, on me dit Petite toujours où conclusion, sont petite les blagues juives, conclusion. où sont les blagues juives? Il faut conclure sur une blague juive, très bien. Mais pourquoi ne pas conclure sur une histoire juive cette fois? T'en as une de dispo? Ah ben tu sais que je suis Ah un chapeau à histoire juive. oui. Moi, j'ai en plus en ce moment, j'ai des soucis, Joachim, donc ça me ferait du bien une de tes histoires. Attends, t'as des soucis? Tu veux une histoire sur les soucis? Ce qui me fera du bien. Est-ce qu'une histoire sur des soucis pourra enlever les miens? Pourquoi pas? Mais totalement. Totalement. Ben j'ai une histoire pour toi. Ça me fait plaisir. C'est le Talmud. Tiens, Olivier, je te l'ai raconté l'autre jour, donc c'est énorme ce qui va se passer Allez, là. vas-y, on part en blague juive. Non, c'est en histoire juive, on va partager l'histoire au monde. J'espère que les gens sont contents parce que c'est une sacrée histoire. La Flavien, tes soucis vont s'envoler. Hein. Et après, c'est Je la fin suis du tout live, on est ouf. d'accord. Après, tu coupes, dès que l'histoire atteint sa chute, tu rage-quittes ce live et tu laisses la rediffusion et on aura fait une performance intellectuelle ce soir avec Alors attends, l'électrochambre. je suis désolé, mais moi, il y a un truc dans le monde, avant que tu fasses ta blague juive, faut que je parle de pognon. Comment ça, tu parles de pognon? Il faut que je fasse mon auto-promo, les gars. Parce qu'il y a 1500 personnes qui sont là. Elle demande des pouces bleus.
Donc voilà, messieurs, mettez les pouces bleus, donnez les dons à Padawam, faites les... Comment on dit là? Les rejoindre, rejoindre sur YouTube. Mais je voulais juste vous dire que j'avais ouvert ma chaîne Twitch et qu'on était sur Twitch. Non. Eh oui. Donc je sais que Twitch est nul, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je vous donne le lien. Alors ça change rien avec Padawam, hein, je serai tout le temps à 1000% sur Padawam, mais j'ai trop de trucs à Tu dire. perds pas le nord, toi. J'ai trop de choses à partager, j'y peux rien. Je suis en mode, je n'arrête pas de faire des streams en ce moment. Alors je peux pas, j'arrête de flouder Padawam et on fait un C'est peu, on divise partout. ton nouveau métier. Donc voilà, c'est mon nouveau métier. Moi personnellement, je vois une grande carrière dans le streaming Twitch interactif. Par contre, il faut rester discret là-bas parce qu'il y a une politique qui est chaude, hein. C'est quoi, tu peux pas parler de suicide, je sais On pas peut quoi là? parler de rien. Voilà, c'est ça. On peut être dans les jeux vidéo et faire oh, attention à droite. Oh là là, c'est dur. Et voilà. Mais ça, c'est bien, c'est tranquille, quoi. Claquez Mais votre premier attends, mot. là j'aurais pas pu dire tout ce que j'ai dit ce soir. Je pense qu'il y a, on se serait. Ouais, la chaîne serait supprimée déjà. Elle serait déjà supprimée. Genre le modo, il aurait dit je comprends rien, je supprime. Tu serais déjà en top tweet tendance et ce serait fini. Même serait même un procès, même, je pense. Un procès? Oui, je pense à un procès, oui, parce qu'on est dans ce monde, on est dans un monde comme ça. Ouais. Mais écoute, vas-y, hein, qu'est-ce que je te dis? Ça te fait pas peur? J'ai peur du jugement divin. Oui, bon, du coup, un tweet, ça te fait pas peur, Et le tweet, si tu veux, c'est voilà, c'est super génial. Waouh, Bon, bah, très peur, nickel. hein. Eh ben, allez, on part. Moi, c'est bon, j'ai fait ma petite auto-promo. On part en histoire juive. Sur les soucis, du coup. Sur les soucis de Flavien. Écoute, Flavien, J'écoute il y avait ça. un grand rabbin à Jérusalem qui enseignait à ses disciples dans sa yeshiva. Et là, les disciples, ils viennent le voir et ils disent, voilà, on a plein de problèmes, en fait, des choses terribles qui nous arrivent actuellement. Et on aimerait savoir comment garder le bitachon, tu vois, pendant ces épreuves terribles. Le bitachon, c'est la remise confiante en Dieu, l'équivalent du tawakkul en arabe. Et tu sais, ça découle de la Emouna, qui est la foi. Enfin bref, on aimerait savoir comment faire. Et là, le grand rabbin, il répond bah, écoutez, moi, je peux pas vous aider là-dessus, mais vous allez trouver le rave Moshe quelque chose là. Il est au Caire. Et quand vous l'aurez trouvé, vous lui poserez la question, comment être heureux dans les épreuves? Comment ne pas être perturbé, comment ne pas comment faire en sorte que son cœur ne soit pas troublé pendant qu'il nous arrive des malheurs terribles? Comment garder le bitachon? Et donc là, ils prennent leurs chevaux, ils y vont. Ils arrivent au Caire, ils vont voir le grand rabbin. Bonjour, on cherche le rave Moshe quelque chose, parce qu'on a des questions très importantes à lui poser, c'est le grand rabbin de Jérusalem qui nous envoie. Et là, ils sont confus. Ok, elle dit, ben, ok, vous êtes sûr qu'il s'appelle comme ça? Ben oui, on a noté. C'est ce qu'il dit, le grand rabbin de Jérusalem. Il a le Ruach HaKodesh. Et ok, bon, ben, on va faire notre enquête. Un jour, 2 jours plus tard, ben, il n'y a personne de ce nom-là, en fait, dans cette ville. Mais quand même, c'est ce qu'il dit, le grand rabbin de Jérusalem. Et du coup, ben, mais il y a bien quelqu'un qui s'appelle comme ça. Mais ce n'est pas un rabbin, c'est un clochard. C'est un SDF, il n'a pas de maison, il est pauvre, il fait la manche là au centre-ville. Et bon, bah, c'est ok, mais si c'est le seul qui s'appelle comme ça, on va aller le voir. Et là, ils vont le voir comme ça. Et il lui dit, c'est toi le rabbin Moshe quelque chose? Il dit, ben, vous voyez bien que je ne suis pas rabbin. Je n'ai pas la tenue du rabbin. En fait, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison. Mes 2 enfants sont mourants, je pense qu'ils n'en ont pas pour longtemps. Ma femme est malade, moi je suis malade, j'ai pas de travail, j'ai rien, je suis pas rabbin. Et ils disent, bon, mais ok, mais en fait, c'est le grand rabbin de Jérusalem qui nous envoie et il nous a dit de te poser une question. Il nous a dit que tu étais rabbin. Et ben, poser la question pour voir. Il dit, ben voilà, en fait, comment on fait pour être heureux quand on a des problèmes, pour garder la joie, le bitachon, la confiance en Dieu? Comment on fait? C'est on comprend pas. Et alors le Moshe justement répond c'est pas à moi qu'il faut demander ça. J'ai pas de problème.
Who's the fucking man? Who's the fucking pill? Who's the fucking man? Who's the fucking pill? Some of that real gangsta shit, yes. Coming from an original nigga, yeah, that nigga was from the Compton streets. MCX in the motherfucking house, shit. And right about now, High Funk's in the motherfucking house, dope. MCX, DJ Slick, my niggas on the run, oh shit, Lil Hawk and Bird. Just can't handle this. Born in the land of the scabs. 13 years of fame at the time. Mobs ain't kicking in. I got to get my work in. I loads up my strap, map out my plane. Choose my victim, then motherfucker sticks on it. One more point that got scored for the hood. Up to no damn good. Understood. Stops is getting low, so I got to get some more. Loads up the cake, break out the back door. You know the routine, so wrong fool, here we go. Same back channel, keep your motherfucking hands up on the dash. And gives up the cash. One times is making a move on my action. But I ain't sweating. Because ain't shit fun, ha 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 ha. Because it's all for the money, shit. I got to get mine, to get, so I'ma take yours. I got to get mine, to get, so I'ma take yours, shit. Just call me the come up kid, shit. Hard times kicking it in the CPT. So that means I gotta do what I gotta do. And if you ain't down with the hype, fuck you. You're coming up short when I stumble. So when I hit your corner, you're gonna be a gonna nigga duck when my nine starts to buck. In it for the snap, so I'm crazy as fuck. I just be laying low, cause one times is real high. Need to make a nod, so I rush your spot. And it's like that when I got the feeling. If you don't kill, somebody else does the killing. So when you hit the end of the road, ain't no turning back. I done signed the hood.